It is happening again. It is happening again. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynchplaining. Je suis Sofiane, comme toujours avec moi Dorian. Salut Sofiane, ça va ? Ça va, et cette fois on a un invité de grande classe. Holy smoke ! Ça commence bien. Le grand Manitou du Lynchverse. Il a écrit entre autres sur les Beatles, sur Zappa, sur Lars von Trier, sur Lost, etc. etc. On peut le retrouver dans les cahiers, Rock and Folk et sur France Culture dans Mauvais Genre. Mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est les textes sur Twin Peaks. Alors, il y a Sycamore, Sycamore, La main gauche de David Lynch, Un miroir brisé dans tous les cœurs, Un cadeau de la part de la Terre, Exégèse de la Black Lodge, et il y en a d'autres, hein. La substance de ce monde. Je vois que vous t'arrêtes pas aux trois essais sur Twin Peaks, mais que t'as mis tous les autres que j'ai pas gardés dans le bouquin. Ah, ils sont pas dans le bouquin, non. C'est bien sûr mais pas comme Tiellement, je pense que vous le connaissez si vous connaissez Twin Peaks et la France. alors première, bienvenue. Merci. Bienvenue dans le podcast. Très sympa de nous payer une visite. Ouais. Enchanté de vous voir les amis. En ce moment, vous pouvez retrouver à la Fnac par exemple, moi c'est là que je l'ai acheté, trois essais sur Twin Peaks. Qui sont super intéressants. Ils sont géniaux. J'ai énormément aimé La substance de ce monde. Moi, j'ai lu le premier essai, qui était La main gauche de David Lynch, et qui parle des deux premières saisons de Twin Peaks, qui a été écrit avant The Return. 5 ou 6 ans avant. Ouais, donc c'était vraiment comme si c'était fini. Quoi. Tout à fait. Il y a un paragraphe qui apparaît comme comique aujourd'hui quand on le lit, mais j'ai pas voulu l'enlever parce que sinon ça aurait fait très auto-révisionniste. Et donc j'ai gardé le texte tel que, mais c'est marqué à un moment et la série devait s'arrêter là pour toujours. Et c'est pas le cas. Et tant mieux, mais ça fait presque plaisir à lire en fait, de tomber là-dessus et de faire. Entre nous, on n'y croyait plus à un retour de Twin Peaks. Ça faisait longtemps qu'on. Ah bah, et puis alors pour quelqu'un, je suis plus âgé que vous, hein. Qu'il a vu à l'époque, bon, 20 ans plus tard, on pouvait dire, ok, c'est bon, ça va, il n'y en aura plus jamais, etc. Parce que les premières années, après on attendait une saison 3 possible. Plus exactement, il y avait des interviews contradictoires de Lynch où il annonçait qu'il allait peut-être continuer à travers des films. Oui. En tout cas, même Fire Walk With Me n'apparaissait pas comme une conclusion à Twin Peaks, mais comme... le morceau d'un puzzle qui allait se perpétuer. Simplement, on ne savait pas quand et comment. Et puis, il n'y avait pas Internet. Les informations étaient hyper difficiles à obtenir. Le plus comique, c'était entre Fire Walk With Me et Lost Highway. Il y avait quand même quelques années qui sont écoulées. Pas beaucoup, mais dans un temps pré-Internet, c'est très long. Sans aucune information sur Lynch. On ne savait pas du tout. Il y avait juste une petite brève ou un espèce de filet dans un journal de cinéma avec marqué « David Lynch déprime ». Depuis l'échec de Fire Walk With Me, Lynch ne semble pas trouver de moyen de rebondir. Un scénario qu'il a proposé à CB2000, The Dream of the Bovine, ne se fera pas. Oui. Et les chances de repartir à la télévision se font minces, etc. Et donc, il y avait une espèce de truc comme ça. Finalement, il avait quand même fait Hotel Room à un moment. Une espèce de truc bizarre avec Barry Gifford. Et il y a eu Lost Highway. Et à partir de Lost Highway, bah on s'est dit c'est super, il refait du cinéma, mais Twin Peaks a priori c'est plié quoi. Même lui il le disait pendant des années que c'était fini. Absolument. C'est vrai que pour Fire Walk With Me à l'origine ça devait être le premier film d'une trilogie si je me trompe pas. Je crois qu'il avait trois films. Ouais. Trois films. Hein. Bah justement la première question que j'avais c'était comment as-tu découvert Twin Peaks? J'ai découvert Twin Peaks pendant la diffusion de la première diffusion à la télévision française. Sur la 5, ça s'appelait Mystère à Twin Peaks. Ils n'ont pas gardé le nom, hein. C'est pas sur les DVD, non. Etc. Mystère à Twin Peaks. Et en fait, pendant 10 épisodes, les épisodes apparaissaient en double. C'est-à-dire qu'on avait, c'était des programmes d'une heure et demie où il y avait deux épisodes collés l'un après l'autre. Ah, okay. Et le premier que j'ai vu, j'ai pas démarré dès le début parce que à l'époque j'étais pas, je savais pas trop ce que machin Twin Peaks, qu'est-ce que c'était, et j'avais pas vu de film de Lynch. Et en fait, c'est parce que mon père m'a dit qu'il était tombé sur Twin Peaks, ça devrait te plaire, c'est vraiment bizarre ce truc-là. et puis quelqu'un dans mon école m'avait dit. T'as vu ça, Twin Peaks? Je sais pas à quoi en penser.
C'est très très curieux. C'était le vendredi soir, à mon souvenir. Et le vendredi soir à 20h30 sur la 5, je me suis assis avec l'idée de regarder Twin Peaks. Et c'était d'ailleurs un soir où mes parents n'étaient pas là. Et donc j'ai commencé à regarder. Et c'était en fait l'épisode dont on va parler ce soir. Oh. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un double feature où il y avait Demons, je crois que c'est Demons, machin, et Lonely Souls. Donc, hein, on retourne à la source, là. Ouais. Il n'a pas duré longtemps, le mystère à Twin Peaks, pour vous. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut spoiler dès maintenant l'épisode? Oui, l'épisode, okay. L'épisode en lui-même. Alors, vous savez quoi, le plus comique, quand même, c'est que quand j'ai vu cet épisode, il y a plein de choses que j'ai pas compris. J'ai pas compris que Dale Cooper était un agent du FBI. Je croyais que c'était genre un jeune homme riche de la ville qui accompagnait le shérif. Parce qu'il est riche. Parce qu'il était genre bien habillé, en costume, cravate, et il avait pas l'air d'un agent du FBI, donc je comprenais pas très bien qui était cet homme. Je me disais, c'est un espèce de jeune héritier, quoi, qui s'entraîne à l'enquête policière. C'est vraiment le truc le plus absurde. L'épisode suivant, j'ai compris que c'était l'agent du FBI. Mmh. Mais entre temps, j'étais là, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce mec qui accompagne le shérif partout, bien habillé, gobiné, comme ça, et qui a des espèces de manières extrêmement sophistiquées et délicates. Ça fait très petit lord. Ouais. Et deuxième truc, j'ai vraiment cru que c'était Ben Horn, le coupable. Et là, ça va être, on pourra en parler. C'est-à-dire que la série essaie de pousser. Mais comment dire, cette fin, comme j'avais pas beaucoup d'éléments pour pouvoir comprendre Bob, machin, tout ça, je croyais que c'était deux histoires complètement différentes. ce type possédé par un monstre. Et puis de l'autre côté, l'assassin de Laura Palmer qu'ils avaient trouvé. Parce que le comportement de Ben dans cet épisode est tel que je me disais, il n'y a pas de problème. Alors le mec, il n'a même pas besoin de faire des aveux. Les aveux, ils sont faits de son comportement. Donc très bien, prison, réglé. Et puis il y a un autre truc bizarre qui se passe à côté. Donc j'avais rien compris, en fait. Et dans l'épisode suivant, là, entre-temps, je ne sais pas si j'avais vraiment beaucoup d'informations, peut-être le journal télé, mais quoi, j'ai remis les pendules à l'heure et j'ai compris ce que j'avais vu. Mais c'était très intéressant pour moi, et ensuite ça a alimenté aussi ma réflexion sur la question du tabou. Et le fait que ce soit le père de Laura qui soit l'assassin de Laura, le fait qu'il y ait une sorte d'inceste, tout ça, joue sur le tabou. Et le fait qu'au départ ils avaient prévu de ne jamais dire que c'était Leland. D'une certaine façon, un spectateur lambda découvrant la série, même dans cet épisode-là, ne peut pas croire que le personnage qui est présenté comme le père de Laura, malgré ce qu'il fait à sa cousine, soit d'évidence, surtout qu'on a dit avant qu'elle avait été violée, etc., par le salaud, c'est un coupable exclu. C'est-à-dire qu'on joue la question du tabou. Et c'est très intéressant parce que ça a aussi orienté la manière dont je regardais les films de Lynch et la façon dont des fois circulait la question du tabou. Ou en tout cas du secret. Donc spoiler, dans Lost Highway, c'est pas un gros spoiler, hein, mais quoi, quand le père dit je peux pas dire ce que j'ai vu cette nuit, etc., ce que j'ai vu cette nuit, et qu'on sait pas. Et que là, Lynch fait en gros ce qu'il a toujours envie de faire, qui est de présenter le spectateur face à un secret qu'on lui révèle pas. Et de le laisser comme ça en disant vas-y, crash à Malta. Non. Lost Highway, film préféré de Lynch? Pour moi? Oui. Non, mon préféré, c'est Firewalk with Me. On a un true believer. Saison préférée de Twin Peaks, question qu'on avait posée à Charlotte aussi. Ouais, et on a appris qu'elle n'aimait pas la saison 3, justement. Ouais. Donc, Une saison préférée, c'est difficile. Ouais. Mes épisodes préférés sont dans la saison 2 et c'est la saison que je préfère le moins pour tous les épisodes que j'aime pas. Pour la grosse moitié, c'est rien, oui. Donc je dirais que ma saison préférée, c'est probablement la 3, parce que c'est celle dont le chaos est constant. Ceci dit, la 1 a un charme tellement grand, une espèce d'équilibre. Enfin, disons, c'est un point de vue purement de plaisir scénaristique élégant. La 1 est un plaisir, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de machin, c'est fluide. Ça jongle avec plein de genres aussi. Voilà, ce qu'abandonne complètement la saison 3, le truc des genres est vraiment très peu. Il n'y a presque plus de soap. Il n'y a plus de soap, et puis il n'y a presque plus de films noirs non plus, qui est quand même une espèce de nourriture importante des premiers Twin Peaks, dans le meilleur et dans le pire. Parlons un peu de la production de cet épisode. Yeah. C'est écrit par la team The Return, avec écrit par Mark Frosty The Snowman, comme je l'appelle, et réalisé par David Lynch. Exactement.
C'est le premier épisode filmé en 1990. Ah. Voilà. Petit fact qui sert à rien. Ready for the 90s. Lynch ne reviendra à la réalisation que pour le dernier épisode de la saison. Et donc le peut-être dernier épisode de la série. Et on peut donc enfin dire qui a tué Laura Palmer sans rien spoiler. Donc oui, c'était bien Tojamour Hassan. Exactement. Comme on l'avait dit. Il était là, menaçant et mystérieux. On en était sûr depuis le début, et voilà. Donc oui, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, Lynch et Frost ne voulaient vraiment pas révéler qui a tué Laura Palmer. Pour eux, c'était le but ultime. C'est... Oui, ou presque aussi... On s'en fout, enfin, c'est pas ça la substance de... Non, le plus important, c'est d'apprendre Laura, l'impact qu'elle a eu sur les gens, etc. Plus que le chaos qui règne dans la ville. Mais quand même, la manière dont ils ont résolu ça, ça ajoute tellement de... Ça ajoute oui. Bob, ça ajoute l'inceste, ça ajoute tellement de trucs qu'au final, on va pas se plaindre non plus. Ouais, c'est quand même fou que leur épisode qui est un peu un... Bon, vous voulez qu'on vous révèle, et ben voilà, on vous le révèle. Ben, il va pas de la main morte, quoi. C'est non. Vraiment... Bah ok, on va vous traumatiser, bonne chance. Ma copine qui regarde Twin Peaks pour la première fois. Mal dormi un peu, non? Mais vraiment, ça fait 3 jours qu'elle me parle de Leland. Je te jure, ça fait genre... Depuis qu'on l'a vu, elle me dit tout le temps, je pense encore à Leland. Leland est un des méchants les plus réussis. Enfin, c'est pas un méchant d'ailleurs, le terme n'est pas bon. Non. Un des types les plus effrayants de la télévision. C'est totalement. Très loin. Il est... Dès le début. Il est... Dès le début. Et il est excellent. Ouais, on le dit à chaque fois qu'on le voit, mais... C'est peut-être un des meilleurs de la série, quoi. Oui, c'est un acteur hors du commun. On est un peu triste en apprenant ça, de se dire qu'au final, ça veut dire que Ray Wise, on va peut-être moins le voir par la suite, maintenant qu'on apprend qui est le tueur. C'est un peu triste, on se dit, on va peut-être dire au revoir à Ray Wise aussi. Et dans la saison 2, depuis qu'il a les cheveux blancs, depuis qu'il s'est transformé en Super Leland, c'est vraiment devenu un des personnages que dès qu'il arrive dans une scène, on est là genre « Ah, Leland !» Magnétisé. À des moments, il a un côté très Tex Avery, très Leloup de Tex Avery. À des moments, il fait carrément Jack Torrance dans Shining. Bien sûr. Et ce sourire et ce regard, le moment où il sourit en tant que Leland Bob pour la première fois... Oh la vache. On dirait qu'il a inventé un nouveau sourire. Tout à fait. Mais en même temps, c'est intéressant que tu parles de Jack Torrance, parce qu'à l'époque où j'ai regardé Twin Peaks, c'était le seul référent que je pouvais avoir en tant que jeune homme de 15-16 ans par rapport à Leland, c'était Jack Nicholson, en particulier dans Shining. C'était à peu près le seul truc. Après, j'ai appris que Lynch était aussi beaucoup basé sur James Mason dans Lolita. Oui, ouais. Plus pour le Leland avec des cheveux noirs. Qui est très pleurnicheur. Pleurnicheur, etc. Qui danse et tout. Il y en a deux qui dansent. Non, il y en a un qui chante, un qui danse. Et puis, le trait, je crois, qui est marquant sur Leland, c'est son caractère anachronique. Et c'est vachement intéressant, c'est comme un personnage venu des années 50. Alors il y a des éléments des années 50 dans Twin Peaks, il y en a un certain nombre, mais Leland, avec son espèce de musique jazz, sa manière de s'habiller, sa manière de bouger, sa manière, même son l'esthétique de son visage est d'un acteur de cinéma classique. C'est vrai. Et ça ajoute à ça. Il ressort encore plus que Audrey quand il est sapé comme une petite gamine des années 50 et tout. Complètement. Lui, il ressort vraiment. Non, c'est vrai. Alors, il y a Lynch qui comparait le mystère du tueur au manchot dans le fugitif. Oui. Il disait que quand on verra le manchot dans le fugitif, c'est la fin de la série. Ouais. Et donc, pour lui, il disait que c'est bête. C'est comme si d'un seul coup, dans la deuxième saison de la série Le Fugitif, on voyait le manchot. Alors que pendant toute la série, il en parle et on n'est même pas sûr qu'il existe, le manchot, au final. Pour moi, ça aurait pu être le dernier épisode de la saison ou de la série. En tout cas, ça a du sens que David Lynch réalise ça, il drop ça et ensuite il fait ben ciao les nazes. Salut. Pour lui, c'était peut-être son proto-season finale et ensuite quand il reviendra, on en reparlera. Donc la seule personne en dehors de Frost et Lynch qui savait qui était le tueur, c'était Jennifer Lynch pour écrire le journal de Laura Palmer, justement. Donc la fille de Lynch. Ray Wise, il espérait ne pas être le tueur. Il croisait les doigts. Et donc Frost et Lynch ont réuni Cheryl Lee, donc qui joue Laura et Maddie, Richard Bamer, qui joue Ben, et Ray Wise, pour leur annoncer la nouvelle. Et le pauvre Ray Wise, sur le coup, il a fait « Non !» Et Lynch lui a dit « Ray, it was you. It was always you. » Ça fait très « You were always a caretaker ». Dans Shining. Non, mais je me retiens à chaque épisode de pas faire. Eh, ça me rappelle à Shining. Parce que Shining pour être dans le Twin Peaks universe. Mais Ray, tu as toujours vécu à Twin Peaks. Hein. Exactement. Et les scènes du meurtre de Maddie ont été filmées avec Ben Horn dans le rôle du meurtrier. Et les images n'ont jamais été révélées.
Mais c'est vraiment pour brouiller les pistes. Ils ont tourné la scène aussi avec Ben. Ça, c'est stylé, j'étais pas au courant. Pour qu'il n'y ait pas de spoiler. A circle of pain. A circle of suffering. Woe to the ones who behold the pale horse. Parlons de la Log Lady, notre chère Maggie. Oui. Comme on l'appelait. Elle a un poème aussi beau qu'un arbre aujourd'hui. The tree! J'étais très heureux quand elle a commencé direct avec un arbre. Direct, on commence avec les arbres. Allez, elle parle de The Dark Dream. On est obligé d'imaginer Lynch quand on l'entend parler. En attends, fait. Attends, elle, comment, elle dit The Night Wind Blows. Et déjà, je pensais oui. à The Wind Blows the Through. Wind blows through. Ouais. C'est une de ses chansons. Ouais, ouais, ouais. Et oui, elle parle de rêve, de souffrance, de. Du cercle de la peine, du cercle de la souffrance, donc de l'abus, bien sûr. Bien c'est sûr. Pas forcément un mot qu'on utilisait à l'époque, maintenant on l'utilise beaucoup plus. Mais oui, le cercle de l'abus qui, au final, ne s'arrête jamais. Bref, c'est très gai tout ça. Parce qu'il y a quand même un élément qui est resté tabou là-dedans, c'est l'abus de Leland. C'est-à-dire que Leland est lui-même un enfant abusé. Oui. C'est ce que ce poème laisse entendre, et c'est ce que laisse entendre les présents épisodes quand il dit qu'il a connu Bob quand il était enfant. Ouais. Sur le moment, on ne fait pas attention parce qu'on n'est pas encore arrivé à cet épisode-là et qu'on ne sait pas que c'est lui le tueur, machin. Et on dit juste, c'est quand même bizarre. On pense juste qu'il est fou, en fait. Parce que comme il a l'air fou, Leland, on se dit, bon, ok, la lubine, c'est j'ai vu Bob quand j'étais enfant. Et en fait, il dit à côté de la maison de mon grand-père, etc. Donc il y a eu quelqu'un, que ce soit un membre de sa famille ou un voisin, qui a fait vivre à Leland ce qui va vivre plus tard à Laura. Et je pense que c'est ça que ce poème vient rappeler, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer dans les détails de ce truc-là, mais que derrière Bob, il y a l'idée de quelqu'un a souffert et va reproduire le mal qu'il a reçu sur quelqu'un d'autre qui le reproduira, etc. Ça, on en parlera dans Firewalk With Me, je pense. Oh, c'est totalement. Non, mais c'est vrai, c'est plus dans... mais c'est vrai. Il y aura beaucoup de choses à dire dans Firewalk With Me par rapport à ça, je pense. Tout à fait. Le générique, qu'est-ce que t'en penses du générique? Il est bien le générique. Pour une fois, on peut parler du générique sérieusement. Non mais vraiment. Il est sympa le générique de Twin Peaks. On peut le générique de Twin Peaks, il est absolument incroyable. Il est absolument incroyable parce que, en fait, je crois déjà rien que le fait que ce soit la couleur verte, on a l'impression que c'est un programme presque pharmaceutique ou une émission instructive. Ou... C'est pas du tout... c'est en décalage complet par rapport à ce que devrait être un générique de film noir ou de série qui va avoir une intrigue policière. On a... C'est chasse et pêche. Ouais. Mais oui, on a la forêt, sur une ville. L'eau, la Syrie, et puis bien sûr... Superstar, mais je vous laisse en parler. Ah bah oui, votre personnage préféré de la série. Il y a des news sur l'oiseau cette semaine. Je t'en prie. On avait parlé du fait qu'il a écrit sa biographie, donc Fait comme l'oiseau ou La surprenante vertu de l'ignorance, basée sur la nouvelle push de Sapphire. Sony a acheté les droits et lancé la pré-prod. Sony a aussi fait savoir que l'oiseau ne ferait pas partie du Marvel Cinematic Universe, alors que personne n'avait posé la question. Oui. Ils ont fait un communiqué juste pour nous dire ça. Voilà. L'oiseau voulait Lynch à la réal, bien sûr. Lynch, il a répondu « Fuck nobody !» Donc on parle déjà de Bryan Singer, Woody Allen, Roman Polanski, enfin voilà, des gens qui... Tout l'orchestre, quoi. Des gens qui ont des styles très différents, mais beaucoup de choses en commun. L'oiseau insiste, bien sûr, pour jouer son propre rôle, hein, forcément. Mais les rumeurs disent que ça va jouer entre Jared Leto et Scarlett Johansson. Donc voilà, à suivre. Bute-moi. Ah, juste avant de commencer, oui. J'ai juste un truc à vous dire, et je voulais vous le dire à l'antenne. Ok. J'ai découvert vos doppelgangers texans. Il y a deux texans qui font des vidcasts sur Twin Peaks. Mm-hmm. Assez drôles. Sur YouTube ? Sur YouTube, il s'appelle Fossilized Patterns. Je crois que j'en ai vu une. C'est des sortes d'ex-punk. Comme ils ont vraiment des énormes voix. Well, so this episode starts with the sheriff team. Mais ils font des blagues en permanence. Ils parlent de l'épisode avec un humour constant. Et donc. Donc il va falloir qu'on aille les tuer. Watch out. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans ce monde en même temps que vous. Non, on doit aller les affronter. C'est parti.
seul vous devez rester. Mais est-ce que c'est nous les méchants? Ça se trouve, c'est nous les mauvais. C'est nous, en fait. C'est carrément nous. Passons à l'épisode. C'est parti. Gordon, I understand you're on your way to Bend, Oregon. I'm over to Bend, Oregon. Official business. Real hush-hush. Nous sommes le jeudi 9 mars 1989 dans la belle ville de Twin Peaks. On va au Sheriff Department. Toute l'équipe est alignée, comme un poster d'Usual Suspect ou un truc comme oui, ça. Oui, c'est vrai. Et ils sont en train de boire du café et de manger des donuts, alors qu'ils viennent d'apprendre des trucs quand même très importants. Oui, et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler du fait qu'au milieu de tout l'orchestre, il y a Mike, qui est une entité, qui est genre... c'est un démon. Voilà, mais il boit un café. Bon, il refait sa petite tirade en mode, oubliez pas que je suis un acteur shakespearien, mais il boit du café comme les autres. Est-ce qu'il boit du café parce qu'il n'a pas exactement la même tasse que les autres? Il n'a pas un mug, il a une espèce de truc un peu recourbé. Et je me suis posé cette question en regardant, je me suis dit peut-être qu'il boit du thé, en fait, Mike. Ah. Ce qui montre qu'il est différent des autres. Il boit du grog. Il boit un grog. C'est possible. Mais sinon c'est très choquant, oui, d'avoir Mike avec l'équipe. Oui, mais oui, c'est comme si... Et aussi Cole, quand il s'en va, Gordon, il lui dit prenez soin de Mike. On dirait il l'aime bien, c'est son bébé. Et c'est trop bizarre. Et surtout, ils n'ont pas l'air pressés, alors que quand même, ils viennent d'avoir des informations qui leur disaient allez à l'hôtel. Oui. Ouais. Tonnerre et tout. Bob est à l'hôtel maintenant. Ouais. Et eux, ils sont là. Attends, d'abord, pause café. Et ensuite, on y va. Et ce génie de la mise en scène, c'est un seul plan. Ouais. C'est un seul plan. Ça, et là, on voit tout de suite que c'est Lynch qui a la réelle. Parce qu'il y a une audace. Normalement, un truc comme ça aurait été découpé. On aurait été plus proche d'eux. Là, on est loin. Il y a même, à l'avant-plan, on voit les plantes du bureau. Et eux, à l'arrière-plan... Et à aucun moment, la caméra ne prend le soin de s'avancer. On reste là-bas. Ouais. Et on les voit en brochette, totalement non naturelle, comme un truc très, comme vous dites, poster, avec tous d'affilée. Et une espèce de note très spéciale fait que, à la fois, ça c'est pour moi, à mon avis, Lynch est à son sommet d'écriture, Lynch et Frost, d'écriture à la fois utilitaire et originale. Ils reprennent la dernière formule de Mike de l'épisode précédent, un endroit avec grand, avec des pièces multiples, des âmes différentes, ils passent chaque soir, au milieu de la forêt, un endroit, etc. Et là, il le redit, et derrière, on rajoute derrière une petite musique bien terrifiante, et à la fois, c'est comme on vous fait un résumé de ce qui a été dit dans l'épisode précédent, et en même temps, ça peut être une espèce de note d'humour, c'est-à-dire, c'est le mec, il est en boucle. Ouais, une fois qu'il a aussi, cette formule, il la répète. Comme des personnages de Lynch, mini-spoiler, comme dans Fire Walk With Me, le mec qui dit « Are you talking about that little girl that went murdered ?» Vous savez que dans le café, il y a beaucoup ça, Lynch. Les personnages qui sont en boucle, qui sont bloqués sur une phrase, et qui se mettent à se répéter. Celui qui est avec une Française, non? Oui, voilà, oui, il y a une Française qui fait « Bonbon, chérie ».« Bonbon, chérie ». Les deux mots des Français. Voilà, et ce truc-là est formidable. Et là, on a aussi... tout un tas de petits détails d'humour qui sont des trucs qu'on ne chope pas forcément dès le début, mais le fait que Gordon Cole fasse un espèce de salut à Mike, probablement parce que Mike, il n'a qu'un seul bras et il tient déjà un café, donc il ne peut pas lui serrer la main. Et plutôt que de l'humilier ou de le faire chier à déplacer son café, il se courbe. Et aussi, comme ça, il montre son... Mike, c'est un mec important, Mike San, voilà. Encore un lien avec Toja Morrison. Encore, Toja Morrison. Et Cooper, quand il fait ça, il fait une espèce de pouce levé, genre... comme s'il il appuyait le bon comportement de Gordon Cole. Hawk, qui doit aller voir Harold, et qui préfère finir son café. Est-ce qu'il aurait pu sauver la vie d'Harold? Je pose ça comme ça. S'il était parti 10 minutes plus tôt, est-ce que si ça se trouve... Et donc, une question plus générale, combien de vies auraient pu être sauvées s'il n'y avait pas autant de café à Twin Peaks? Et autant de notes. Aussi. Ils se font des pauses tout le temps, c'est vrai. Donc, mais ça, c'est pour montrer que ils sont cool quand même. C'est-à-dire, le moment clé, ça c'est vraiment un truc qui continue. Et c'est ça qui fait qu'on aime Twin Peaks aussi, c'est que les personnages prennent toujours le temps de manger et de boire, ostensiblement, alors qu'ils sont en plein milieu de l'action. Et genre, tranquille, il y va quand il a fini son café, Hawk. Gordon s'en va, il prend le temps de dire au revoir à tout le monde, parce que c'est David Lynch et il aime bien prendre son temps. Donc oui, voilà. C'est bien d'avoir un vrai adieu à Gordon Cole jusqu'à la prochaine fois, mais lui qui dit... Il revient après, oui. Oui, il revient. Et il dit bien sûr qu'il a une mission real hush-hush, qui est très drôle parce qu'il gueule real hush-hush. Genre, n'oubliez pas la substance de mon personnage. What's the meaning of it?
Au Great Northern Hotel, il y a des marins qui jouent à la balle. Des marins qui jouent. Mais vraiment. Oui. Non, mais ça, c'est très bizarre. C'est jamais expliqué, c'est pas comme s'il y avait... Ça rajoute un son très bizarre sur toute la scène. Ouais. C'est pas comme s'il y avait, je sais pas moi, des concours de jetés de balles. Un congrès de marins jouant à la balle. Voilà. Non, ça n'arrive jamais. On dirait que c'est juste qu'il y avait des marins au Great Northern Hotel, et ces marins en particulier, ils aiment bien jouer à la balle. Voilà, c'est voilà. Tout. En fait, c'est comme une logique de rêve. C'est comme si on disait, on était à l'hôtel, et là, bizarrement, il y avait beaucoup de marins autour, ouais. Et ils jouaient à la balle. C'est pas quelque chose qui arrive dans la vie. On voit pas d'un coup 50 marins qui jouent à la balle. Mais par contre, dans un rêve, on peut vraiment voir 50 marins qui jouent à la balle. Mmh. Donc, il y a un truc où, maintenant, le Great Northern, Lynch te dit, je mets ce que je veux, puisqu'il a largement ouvert les flancs avec ses chanteurs de doo-wop, là. Ouais, c'est l'escalade un peu. Oui, c'est genre... si je pointe au Great Northern... Mais qui crache du feu et tout. C'est ça. Si je veux qu'il y ait un cirque, il y a un cirque. C'était le premier épisode avec les Islandais. Ça dure pendant quelques épisodes avec les Islandais. Ouais, il reste un moment. Et ensuite, c'est genre Miss Bûcheronne. Ils font ce qu'ils veulent. Mike regarde les gens un par un, les gens qui travaillent là, les marins, pour trouver Bob. C'est ça, ils s'en servent un peu à dément à Bob, ce Mike. Et lui, il dit non. Lui, il va pointer. Maintenant qu'il a plus ses médicaments, il va pointer. Voilà, et il a une crise et il pointe Ben. Tu as oublié qu'il y avait Tojamura avant qu'il passe. Ah, j'ai loupé ça. Ah oui, il le regarde bizarrement, genre. Ah oui, c'est vrai, c'est il y a Tojamura qui passe, il fait... Non, il le regarde bizarrement et après, il a un air un peu presque atterré. Non. Non, c'est ouais, pas, c'est genre... non, c'est pas la c'est femme bizarre. En yellow face. C'est... c'est pas le célèbre acteur japonais. C'est pas le célèbre acteur japonais. Ben arrive et Mike a une crise et il pointe Ben. Oui. Comment on explique ça? Là, par contre, je dirais que c'est un peu de... forçage d'écriture. Voilà, c'est du teasing, c'est vraiment pour nous faire vraiment croire que c'est Ben. Ouais, c'est ça. Pour que quand le moment arrive avec Leland, on soit complètement. Et il pointe Ben, mais en même temps, pas vraiment. C'est juste qu'il y a une espèce d'escalade du chaos. Oui. Et c'est une des meilleures scènes que j'ai vues de ce genre-là, parce que j'en ai vu beaucoup dans les films où tout d'un coup, c'est un peu cette impression quand tu fais de l'agoraphobie. Oui. Que le bruit devient très fort, les gens deviennent très envahissants. C'est la même chose dans cette scène. La musique est très menaçante, les balles font du bruit. Plein de gens autour, ça hurle, et Ben qui dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» ou je sais plus exactement, je paraphrase. D'un côté, il le pointe, mais c'est aussi, la scène excuse aussi cette mauvaise piste, en faisant, en fait, c'est juste un bordel constant qui monte jusqu'au paroxysme. En parlant d'agoraphobe, Harold a tout détruit chez lui, fleurs inclus, donc ça veut dire que... Il a mis des pétales par terre. Il a mis des pétales par terre. Hawk entre chez lui, Hawk qui aurait pu lui sauver la vie, je le rappelle. Il a préféré être caféiné. Ouais. Et il le découvre pendu. Ouais, très beau plan aussi, puisqu'on voit absolument pas Harold, je sais pas, peut-être que c'est aussi des économies pour l'acteur. Ah, l'épisode, vrai. On voit toujours juste un corps de pendu, sans qu'on voit la tête, mais c'est une très belle image. On voit les pieds qui dépassent. On voit juste les pieds qui dépassent. Ouais. Tout le bordel est au sol et on a le thème de Harold, est-ce qu'on pourrait dire ça, une espèce de petite musique au synthé. Ça s'appelle le thème de Harold. C'est le thème de Harold qui est étonnamment bien fondu dans les violons de Louis Armstrong de la scène suivante. Ah ouais. Faites attention, je pense que c'est peut-être même ça qui a amené l'autre. Enfin, je sais pas, mais ça doit être le même accord. Ok, faudrait que je regarde. Qui ça fond, c'est superbe. T'as le petit synthé malingre et d'un coup il se fond dans les violons. Et là, on reconnaît, si on connaît le thème, on entend Armstrong qui commence à parler. Ouais. Et on est dans What a Wonderful World. De toute façon, je suis sûr que si on extrait le son de tout l'épisode, ça se fond vraiment très bien. Alors que des fois, il y a des épisodes où il y a la scène qui est soudainement interrompue par un tonnerre ou par un truc. Ouais. Et là, c'est vraiment, c'est une mixtape en fait, le truc. Ah, Lynch est le son de toute façon. Oui. Voilà. Non, mais là, il nous l'a soigné particulièrement bien, c'est clair. Il a fait ça bien comme il faut. On va chez les Palmer, donc avec cette transition musicale. Ouais. Sur un tableau de Missoula Montana, donc la ville de naissance de David Lynch, et aussi la ville où Maddie vit et peut-être née, je sais pas. Ouais. Et donc les Palmer écoutent du Louis Armstrong, censé nous peindre un tableau un petit peu idyllique, avec la musique What a Wonderful World, et ils sont en train de prendre leur petit déjeuner, de lire leur journal. Et aussi, ça fait du foreshadowing, puisque le tableau de Missoula Montana, c'est celui qu'elle va se prendre dans la tronche dans une scène. Putain. Oui, on parlera avec plaisir discutable. Et vous remarquez aussi l'incroyable mise en scène de cette scène, oui. Qui, exactement comme la première, ne s'approche jamais des personnages, mais là, de façon beaucoup plus menaçante. Autant la première, il y a une dimension comique, dans le tableau des flics au fond, avec la plante au début, et là...
alors que tout leur jeu est une espèce de jeu très rassurant, de bon tonton, bonne tata, ils sont tristes qu'elle s'en aille, mais quand ouais. même ils prendront sur eux, et elle reviendra, et toutes les espèces de milliardistes qui disent, on a la musique de Louis Armstrong, on a leur espèce de décor bonbon, quoi, oui. qui est la maison des Palmer, qui là, ça devient presque insupportable, à tel point c'est mignonné, minouché, mm-hmm. Petite fleur, tout ce que vous voulez. Là, on voit là. Des nouvelles photos de Laura, d'ailleurs, au passage. Oui. On découvre ça. Qu'on se balade, vraiment, ouais. on se balade longtemps sur les objets, et puis on les voit au loin. La caméra hésite un peu, et finalement elle vient se caler sur le tourne-disque, ouais. qu'on ouais. quittera plus de tout le plan, ce qui est complètement anormal. Mais c'est absolument anormal. C'est-à-dire que là, j'ai pas de référence sur ce type de mise en scène. Et c'est à ce moment-là, vraiment, quand on revoit ces trucs-là, on se dit, mais que fait Lynch? Il fait quelque chose de pareil. Normalement, n'importe quel réal va faire au moins un ou deux plans, de gros plans sur eux, en disant on a bien compris l'idée qu'on est loin, mais quand même, pour le dialogue. Et là, ouais. jamais. C'est un plan séquence, d'ailleurs. C'est un plan ouais. séquence, pareil, comme le premier. Beaucoup de plans de ce style-là dans cet épisode ouais. où la caméra est plantée quelque part et les personnages, ouais. soit ils viennent vers nous, oui. soit on doit juste les regarder de loin, comme là où oui. on les observe. Et c'est on l'inverse du plan Barbershop Quartet de. Totalement. De Leslie. Ouais. Leslie. Dans l'épisode oui. où ils sont dans la forêt et ils arrivent de profil. Voilà, c'est l'inverse total niveau mise en scène. Exactement. Exactement. Et donc ça amène une dimension d'angoisse qui n'est pas normale par rapport à ce qui est raconté dedans. Ça, c'est vachement intéressant. Mmh. Et tout ça se mêle de façon... Qu'est-ce que fout la chanson de Louis Armstrong là-dedans, quoi? Ouais, pourquoi c'est bon, on a... ça pue, quoi. Ouais, ça pue. Pourquoi What a Wonderful World? Et en même temps, je pense que Lynch, dans sa psychologie, c'est vraiment a wonderful world dans lequel on vit. Malheureusement, il y a quand même tous ces trucs absolument atroces, mais Louis Armstrong ment pas. Il n'est pas là pour... C'est pas, Après, c'est intéressant de noter, et Lynch devait le savoir, c'est que Armstrong détestait ce morceau. C'est vrai. Il détestait parce qu'il disait que vous pensez qu'on vit vraiment dans un monde wonderful, là. Ah, ça me fait chier de la chanson. Il la détestait, cette chanson. Ah ouais, ouais. Donc, moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand la scène a démarré. J'ai fait, ok, bon, ça va puer très très vite. On va pouvoir, Ah, ça, c'est vachement intéressant. J'ai un truc en commun avec Armstrong. Tu détestes. J'aime pas du tout ça. C'est vrai. Ouais. Surtout qu'il parle pendant 15 minutes avant de commencer à la chanter. Et tu sens que c'est vraiment le gars qui la chante à chaque concert parce qu'on lui demande et qui fait son petit speech qu'il a, tu vois, mot pour mot. Oui. Non, il la déteste et ça pue dès le départ, cette scène. Oui, de toute façon, cette scène est une des plus. Réussi dans un truc anxiogène, mais de toute façon, la maison des Palmer, c'est un truc, on voit que c'est une obsession chez Lynch. Ouais. Juste le lieu lui-même, un peu encore une fois comme le Overlook Hotel, c'est comme si le lieu il était lui-même une espèce de vecteur de mal. Et pourtant, ouais. il a un truc, il a l'air normal, mais moi je ne comprends pas comment il composait ce salon. C'est très bizarre, on a l'impression qu'il a des espèces de couches successives pour faire la même chose. C'est un canapé. Oui. Puis un paravent, puis un autre canapé. Le fameux paravent où il surgissait avec ses cheveux blancs. Oui, c'est ça. Il sert à quoi ce paravent? À part pour cacher des choses problématiques, quoi. Donc, Le secret, comme on en parlait tout à l'heure, le tabou. Un truc intéressant aussi, quand Lynch revient, il met toujours Laura au premier plan, hein, dans tout la plupart du temps. Absolument. Il met c'est la vrai. Maison au premier plan. Tout à fait. Et il ramène Sarah à chaque fois. Oui. Sarah qui n'apparaissait presque pas dans la saison 2, je crois qu'elle n'est presque pas. Et là, bon Dieu, si je me trompe pas, il apparaît quand il a les cheveux blancs et c'est tout, je crois. Oui, tout à fait. Les autres réals, et probablement même les scénaristes, n'ont pas envie de s'appesantir sur Sarah Palmer, qui est un personnage extrêmement dérangeant, alors que c'est une femme malheureuse, veuve et tout ça, elle crée plus de l'effroi qu'autre chose chez les spectateurs. Elle est fascinante. Et elle est fascinante. Mais la fascination qu'elle entretient est vraiment bizarre. Et Lynch, c'est clairement un personnage qu'il veut souligner, quoi. All I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Morning. Love, baby, love. Good morning, dear. Good morning. That's the secret. Yeah. Harold a laissé une note. Ouais. J'ai une âme solitaire. Comme le disait Mini Lynch. Comme le disait Bébé Lynch, Pierre Tremond, le voisin de Harold. Ça prouve encore une fois que ces deux personnages, lui et sa grand-mère, ils sont définitivement un pied, on ne sait pas tout où. Tout à fait. En tout cas, c'est pour nous dire que ce n'est pas normal. Ouais. Qu'il y a eu une connaissance d'une information qu'il n'est pas supposé avoir. J'ai une âme solitaire. Et Hawk trouve le journal secret de Laura, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de pages qui ont été enlevées. Non, mais c'est vrai, quand il le prend et tout, on voit qu'il manque des pages. Donc,
Point, point, point. Ah, encore un détail sur cette scène. Excusez-moi, je... Non, mais je t'en prie, moi aussi, j'en ai deux. Il y a un truc très intéressant qui se joue. Harry, quand il détache et qu'il voit Jeanne d'âme solitaire, il a vraiment une espèce d'expression de compassion. Il fait « Poor guy ouais. ». Vraiment, on voit à quel point le shérif est gentil. Et juste après, il a cette espèce de note qui, derrière la compassion, c'est quand même une note d'ironie, c'est « Heureusement qu'Andy n'est pas venu avec nous ». Et parce qu'on imagine qu'Andy, voyant ça, ils avaient des larmes pour 48 heures. Donc, et ça, c'est vraiment le truc. Quand j'avais découvert Twin Peaks, et je ne m'en lasse pas, c'est la coexistence des émotions contradictoires en simultané. C'est-à-dire qu'on est supposé à la fois éprouver de la compassion et en même temps se marrer. Et dans toutes ces scènes, il y a rarement une scène triste de Twin Peaks où il n'y a pas une petite note d'ironie, et rarement une scène comique où il n'y a pas une petite note de tragique. Aussi, et ça, c'est quelque chose que Lynch, dans une interview, où il parlait de ses films préférés, il attribue à Kubrick dans Lolita. C'est-à-dire qu'il adore Lolita de Kubrick parce que dans les scènes de Lolita, on a des émotions contradictoires. On éprouve à la fois une espèce de compassion malsaine ou dérangeante pour Humbert. Il y a toujours des petits détails ironiques, comiques, qui viennent la perturber. En particulier, tout ce qui est lié au personnage de Peter Sellers. Ouais. Il avait dit que le génie de Kubrick était de réussir à faire coexister à la fois, pour le spectateur, l'émotion et une espèce de contre-émotion. Et on est là, et on sait, en fait, on ne sait pas ce qu'on est supposé ressentir. Si je ne dis pas de conneries, Lynch disait « c'est comme ça la vie ouais, ». C'est que c'est totalement une vision de la vie. Oui, c'est vrai. C'est oui, dans des événements de la vie. Et on a ça exactement, de façon outrée, dans un épisode qui n'est pas de lui, mais qui est celui où il y a l'enterrement de Laura, et où Leland, qui est toujours en train de pleurer, d'un coup saute sur le cercueil et le cercueil monte, descend. Et Shelley se moque de et lui. Et Shelley se moque de lui dans la séquence suivante. Mais le spectateur, là, il ne sait pas s'il doit être extrêmement ému par la douleur de ses parents. Et en même temps, on leur montre un truc qui est extrêmement ironique. Et on est comme ça, on est genre, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est triste, c'est pas triste. Et c'est genre, tu décides, mec. Voilà. Ouais, même, tu décides pas, c'est juste oui, tu subis quoi. C'est subi, exactement. J'ai une âme solitaire. I'm a lonely soul. Poor guy. Chez Léo, Bobby et Shelley vivent la vie d'adulte cauchemardesque. C'est ça. C'est la plus chiante de l'épisode. Ils sont en train de faire leur compte. Ils sont en train de faire leur compte pendant que Léo bave. Il y a vraiment l'ambiance quoi. C'est vraiment sympathique. Et Bobby pense que Léo a caché de l'argent quelque part. Léo se met à hurler, à cracher. Mm-hmm. New shoes. New shoes. Et c'est marrant parce que... Ça fait écho à Léo Needs New Shoes de la première saison. Oui, il était hyper... Oui. Petite voix d'enfant. Mais ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on les voit vraiment, c'est presque un vieux couple. Ils sont là, c'est un vrai couple. C'est-à-dire le couple qui est pas tout le temps heureux, qui est aussi, il y a des trucs chiants dans la vraie vie, on doit les gérer. Et à un moment, Bobby, il dit « Ouais, mais je suis en train de louper mon cours d'économie » ou je sais plus quoi. Et ça nous rappelle que c'est des ados. Ouais, enfin, il dit à ses parents qu'il dort chez Snake tous les soirs. Oui, ça c'est... ses parents, ils sont beaucoup trop gentils. Je suis sûr qu'ils se doutent qu'il est pas en train de faire une soirée pile chez Snake quand même tous les soirs. Ils doivent se douter qu'il y a Anguille sous roche. Bon. Donc, Bobby veut récupérer les chaussures. Voilà, c'est ça son but dans la vie maintenant. Oui. Bobby, il aime bien trouver un but à court terme à chaque fois. C'est ça, c'est le truc. Il se focalise sur un truc, il se dit « Ok, pendant 5 jours, ça peut aller. » Même son idée de Léo, là, je veux dire, il n'avait pas du tout réfléchi à quoi que ce soit. Non. Il avait pensé gros chèque, et voilà. Alors, il y a peut-être un... Enfin, moi, ça fait partie des deux, trois scènes qui m'ennuient un peu dans l'épisode. Mais il y a peut-être un truc, quand même, dans cette scène aussi à dire, qui est qu'elle répond, comme un certain nombre de scènes dans le récit de Bobby et Shelley, encore à un truc de logique de film noir, un peu caricatural, grossier, qui est le côté « le crime ne paye pas oui. ». Et souvent, quand un couple fait un espèce de mauvais truc, un peu comme dans « Assurance sur la mort », ou voilà, des films comme ça, où ils sont alliés pour un espèce de mauvais coup, et après, ils en payent les répercussions. Et là, c'est genre,
on va garder Léo pour se faire du fric. En fait, que dalle, le fric n'arrive pas du tout. Ils sont emmerdés avec ce truc, ils savent pas s'il va se réveiller ou pas. Et là, il fait flipper à chaque fois qu'il commence à. Il a ces espèces de décharges électriques. Là, on a une scène très importante, je trouve, puisqu'on a Audrey qui annonce tout à Ben. Balance tout. Et on a Ben qui nie au début, puis il se rend compte qu'il est complètement démasqué. Et là, il s'effondre, il avoue tout, complètement. Et pour une fois, on voit le vrai Ben. Et je trouve ça assez intéressant parce que jusqu'à présent, on voit toujours Ben qui joue à des jeux, en fait. C'est plus Ben qui s'amuse et. Ouais, qui chapote. Qui essaie de manipuler les gens, etc. Mais là, devant sa fille qui lui dit écoute, j'étais Prudence, je sais que c'est toi le patron du One Eye Jack. Il lui avoue tout, il lui avoue. Ça fait 5 ans que je l'ai. Il ment peut-être un peu pour Laura, je pense. Le fait qu'il dit qu'il ne savait pas pour le One Eye Jack, qu'elle travaillait au One Eye Jack, ça m'étonnerait vu qu'il teste toutes les nouvelles arrivées. Ouais. Il avoue que quand tout le monde l'a découvert. Et quand elle lui demande donc est-ce que tu as tué Laura, il répond non, je l'aimais. Il dit pas non. Il dit je l'ai. Un gros silence. Il y a un gros silence. Donc là, le spectateur, il est encore là, genre. Mais c'est lui. Ouais, vous croyez qu'il aimait Laura? Tout le monde aimait Laura. Par contre, il a le portrait de Laura tourné vers lui et il a le portrait d'Audrey tourné vers les gens qui entrent dans son bureau. Donc ça prouve vraiment qu'il est là, genre, regardez ma fille. Bah, mais il va pas la tourner Laura vers les gens, ce serait bizarre. mais c'est pas Laura Palmer. Non, mais normalement, t'as un portrait de ta fille qui est tourné vers toi, tu regardes et tu fais ah, ma belle famille. Ouais. Et lui, non, il a Laura, mon cou qui a l'âge de la fille. Non, mais Ben, de toute façon, au niveau de la vie familiale, c'est son frère et rien d'autre. D'ailleurs, petite pensée pour la femme de Ben qui est quelque part dans quelque la nature. Quelque part, on sait pas, on l'a perdue. D'ailleurs, si vous l'avez vue. Je pense que l'idée que tout le monde aimait Laura continue à fonctionner en fait sur cette scène. C'est le truc de. Soit Jacobi, il aimait Laura, Ben, il aimait Laura. Je pense que ça, c'est pour ça qu'il a le portrait. Et donc, d'une certaine façon, c'est vrai qu'il est sincère à ce moment-là. Par contre, c'est aussi un twist pour pouvoir nous permettre qu'il ne réponde pas « Non, je ne l'ai pas tué. » Donc, comme elle dit « Est-ce que tu l'as assassiné ?» Lui, c'est genre « Je répondrai à cette question plus tard. J'ai un truc plus important à dire. Je l'aimais. » On continue encore donc, essayer de nous faire croire. Que Ben, c'est légèrement appuyé. Au double art, Shelley annonce à Norma qu'elle doit quitter son boulot. Elles sont très mignonnes, les deux, comme d'habitude. Dès qu'elles ont une scène ensemble, de toute façon, ces deux-là, c'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Vous avez remarqué que Norma commence en faisant ses comptes encore une fois. Oui, toujours. Lynch adore la montre en train de faire des comptes. C'est la vérité du diner. On a Shelley qui pleure. Ouais. Norma qui fait sa Norma, elle est cool comme d'hab. Tu peux revenir. Maternelle à fond. Tu peux revenir quand tu veux, pas de problème. De toute façon, qui d'autre voudra de toi en riant et ça sent très bien. Et là, il y a Nadine et Bigette qui débarquent. Ouais. Le pauvre Bigette qui a toujours l'impression de. Son regard, on dirait toujours qu'il dit tuez-moi. S'il vous plaît, que quelqu'un prenne une masse. Ouais. tu es là ou tu es moi, juste l'un des deux, quoi. Et il essaie de garder le mensonge en vie, donc le mensonge que Nadine est une adolescente. Voilà, que les parents sont en Europe, que. Qu'elle est au lycée, que... Qu'est-ce qu'on en pense du subplot Nadine? Je sais pas si c'est censé... Je pense que c'est censé être un peu un comic relief, parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas... Mais pour moi, ça marche pas vraiment, surtout vu le reste du ton de l'épisode. Moi, je trouve juste le comic de Gordon Cole bien plus efficace, bien plus agréable que Nadine et sa super force, et sa Nadine force. Le problème que j'ai avec ça... Moi, j'aime bien Nadine, j'ai pas de problème avec ça. J'aime bien la relation qu'elle a avec Bigette, je trouve qu'ils sont drôles. Bigette me fait marrer sa tête, parce que c'est le mec le plus. Il a aucune expression parfois, Bigette. Des fois, il a toutes les expressions du monde en même temps. Le truc que j'aime pas trop dans ce subplot, c'est que c'est pas lié du tout à la trame principale. Il y a aucun lien avec Cooper, aucun lien avec Laura, aucun lien avec Audrey, aucun lien avec la trame principale de la série. Et ça, c'est la première fois dans la saison 2 qu'on commence vraiment à avoir des trucs qui sont vraiment à part. Comme si c'était des petits courts-métrages qui étaient mis dans la série, comme ça. Des petites scènes. Des petites scènes de Nadine comme ça mises dans la série, et ça va être le gros problème dans les épisodes qui vont venir. Oui. C'est qu'on va avoir de plus en plus de petites vignettes comme ça de trucs qui sont pas liés ensemble. Je me souviens quand je m'en plaignais au début de la saison et tu me disais mon vieux, le risque sera quand ça deviendra ça Twin Peaks. Oui, c'est vrai, cette scène elle annonce un peu le grand défaut de la saison 2. Je vois pourquoi le comic relief n'est pas là du tout, c'est que fondamentalement ça fonctionne aussi sur l'idée d'émotions contradictoires, parce que c'est quand même d'une tristesse infinie. C'est-à-dire que Ed, il est bloqué dans sa vie parce qu'il a une culpabilité mastoc du fait qu'il a crevé l'œil de cette pauvre femme, alors qu'il était parti avec elle dans un espèce de moment de jalousie vis-à-vis de Norma. Et donc, en fait, il va porter sa relation amoureuse comme une croix.
Et là, elle est redoublée par le fait que Nadine a essayé de se suicider, puis est revenue dans cette espèce d'état-là, dans cette espèce d'état régressif. Et que, donc, grosso modo, là, Ed, je veux dire, c'est sa vie, elle est foutue, quoi. Et Hank est revenu aussi. Vraiment, il a tout perdu, là. Oui, Hank est revenu. Ouais. Et là, on ne sait pas du tout pourquoi il est allé au double R avec Nadine. Je pense que Nadine, elle voulait un milkshake et oui. Il a fait. Il n'y a aucun autre endroit dans la ville. C'est le seul endroit pour trouver un milkshake. Bah oui. Tu ne peux pas faire ça au Great Northern. Ah, peut-être qu'ils sont très chers au Great Northern. Je pense que c'est très cher. Ils sont à 50 euros au Great Northern. Ils n'ont même pas un McDo, je suis sûr, à tous les pizzas. Non, il y a un truc pour chaque. Oui, pour chaque truc. Donc en fait, il y a un docteur. Et quel docteur. Donc c'est l'endroit pour le milkshake. Et d'ailleurs le côté calvaire accentué, c'est le fait qu'à un moment il écoute même plus, puisqu'elle lui pose une question: est-ce que c'est la maison de tes parents ou celle des miens dans lequel ils vivent? Et là Ed, il répond pas à cette question. Il regarde Norma, il fait that's right. C'est genre en fait là il répond à la question que peut se poser Norma, qui est: c'est ça que tu vis en ce moment, Mike? Ouais, ouais, c'est ça que je vis en ce moment. Ça c'est ce que je vis au quotidien. Norma joue le jeu, hein. Elle se pose des questions, mais ensuite elle joue le jeu. C'est Shelley qui est un peu plus genre la tristesse dans ses yeux est vraiment. Mais tu sens qu'elle est, quand même en train de dire bon bah je vais accepter ce qu'il me dit, c'est Big Ed. Donc surtout qu'elle voit qu'il est vraiment malheureux, donc ouais. Je pense que au fond d'elle, elle se dit ben je vais faire pour lui quoi, je vais acquiescer, je vais nettoyer quand l'autre elle a pété. Ouais. D'ailleurs deux petits trucs. Moi ce qui me gêne et ce que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais quand tu nous posais la question, c'est que on a un truc un peu surnaturel qui est la Nadine Force. C'est jamais expliqué et c'est introduit en même temps qu'on commence à avoir d'autres trucs un peu surnaturels, un peu bizarres qui arrivent dans Twin Peaks, mais qui sont sérieux et auxquels on doit croire et qui sont importants pour la mythologie. Et là, on a un truc complètement gratuit qui sert de comic relief. Et moi, limite, ça m'énerve en fait, parce que ça fait vraiment sacrifier un truc qu'ensuite on va jamais expliquer. Je crois qu'elle s'est fait morte par une cheerleader radioactive. En fait. Ah, c'est ça, ok. Bon, alors ça va. Je pense que c'est ça. Et puis aussi, on ne voit pas beaucoup de sang dans Twin Peaks, même si on va en voir plus dans le reste de l'épisode. Mais l'un des premiers trucs de sang qu'on voit là, c'est Nadine qui se coupe avec son milkshake là. Et elle fait peur aussi. Elle fait peur. Quand elle lui dit « je pourrais t'embrasser à la mort ». Jusqu'à la mort, moi, bon, bah, R.I.P. Big Ed. Hein, Non, mais c'est un truc, c'est encore pour... C'est supposé être comique, en même temps on a du vrai sang, enfin on a du sang qui coule, qui crée du... En fait c'est du malaise. Ce qui intéresse Lynn, je crois, dans ces scènes-là, c'est le malaise. Et c'est accentué par la musique. Vous savez, c'est cette espèce de version du morceau avec des crescendo de contrebasse, mais où on a une clarinette qui fait des couacs. Parce que c'est comme si on avait des sortes de variations des thèmes selon les humeurs qu'elles veulent donner. Totalement. Et là, c'est la version dérangeante du contrebasse thème. Je sais pas comment on pourrait appeler ce truc-là. C'est ce qu'on a dans le rêve de Cooper. C'est ce qu'on a aussi dans Audrey Stance. Dance of the Dream Man. Dance of the Dream Man, c'est boum, boum. Bah, c'est boum, le thème de podcast. De votre podcast. Et là, c'est la version. Du malaise. Et c'est la version avec la crayon qui fait flic, flic, flic. Donc c'est vraiment genre, tu t'enfonces dans un truc qui est très malaisant. Et ils vont te faire durer. Et ça, par moment, c'est absolument génial. Par moment, c'est vrai que c'est juste... On se dit, ok, pourquoi? Mais pourquoi pas? Retournons chez Léo. Ouais. Snake est là, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Hey. Mike. Bon. Oui, parce qu'on a quand même Mike et Bobby, Bob et Mike. C'est vrai que, bon, faut en parler, mais... C'est quand même fou cette dualité, voilà, alors que Osef total. Ils n'ont rien à voir du tout, les deux, avec l'histoire. Non. Enfin, voilà, quoi. Mais on l'appellera toujours Snake. C'est parce qu'il veut qu'on l'appelle Snake, alors on l'appellera Snake. C'est lui qui force pour qu'on l'appelle comme ça. Bah, apparemment, attends, qui d'autre? Oui. Enfin, c'est soit un mec qui est en prison et qu'on l'a appelé Snake parce qu'il avait un tatouage. Il avait un tatouage. Mais soit. Quand t'as cet âge-là. Soit t'as 17 ans et tu dis je veux qu'on m'appelle Snake. C'est ça. Tu signes tes mots. Papa, maman, maintenant vous m'appelez Snake. Et Bobby ramène les new shoes. C'est ça. Il les ouvre avec un marteau et trouve une cassette. J'ai complètement oublié ce que c'était cette histoire, donc. On peut passer à la ça. Scène suivante. C'est un subplot pas super nécessaire. Ok. C'est ma mixtape en fait. On verra. Je voulais un packaging de hipster et donc une chaussure. En 1990, on a retrouvé ta mixtape. Yes. Diane, it's 2:47 p.m. I'm in the conference room with the sheriff's station with the remains of Laura Palmer's secret diary. There are repeated references to a Bob. He was a threatening presence in her life from early adolescence. There are
intimations of abuse and molestation on a regular basis. He is referred to as a friend of her father's. Et là, on a une scène intéressante, par contre, vu qu'on a Cooper qui résume le journal de Laura Palmer à Diane. Absolument. Et on en apprend vraiment pas mal sur ce que Laura a subi. Oui. Oui. Donc, elle était visitée par Bob depuis sa préadolescence, à peu près, un truc comme ça, quand elle avait 12-13 ans, je dirais, dans ces heures. Et ouais, apparemment, c'était un ami de son père. Ouais. Un premier gros indice de l'épisode. Mmh. Et c'est un truc qui n'apparaît pas. Dans le journal secret de Laura Palmer écrit par Jennifer Lynch, c'est jamais dit que c'était un ami de son père. Okay. Ah bon? Non. Parce que l'autre phrase, un jour je dirai la vérité sur Bernard, je dirai au monde qu'il est vraiment, elle est dans le journal. Elle est dans le journal, mais c'est juste, un jour il faudrait que je dise aux gens qui est le vrai Benjamin. Donc c'est pas la même phrase à chaque fois. Okay. Ils auraient pu quand même se coordonner un petit peu. Hein. C'est sa fille, quoi. Il peut lui passer un coup de fil. Hein. Ou elle peut remater l'épisode. Ah oui. Non, le journal était déjà sorti. Oui, c'est vrai. Il est sorti entre la saison 1 et la saison 2. Donc ils se sont dit que c'était pas assez explicite, donc ils ont appuyé, ils ont dit le vrai Ben Horn n'est pas qui est Benjamin. Audrey débarque. Oui, parfait. Et on a une des rares scènes entre Audrey et Coop dans cette saison, vu que petit à petit on va en avoir de moins en moins. Oui. Et et qui est absolument sans aucune tension sexuelle. Ouais. Exactement. Débarrassé intégralement. Genre, bonjour, comment allez-vous, ça va? Voici une information. On se serre les mains. Je reçois l'information. Alors que première saison, quand t'as une scène entre les deux, là, il vient de la sauver. Oui. Bon. Oui, mais carrément. Et là, il ramène le shérif aussi à un moment pour encore plus casser le truc, pour qu'il y ait une troisième personne qui arrive. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de tension sexuelle. Ouais, tout à fait. C'est pas quand il y a Truman qu'il va y avoir une tension sexuelle. Ouais, carrément. Tout à fait. Pourtant, il est chaud, Truman. Hein, de ce qu'on sait. Et donc, ouais, elle annonce que Ben couchait avec Laura, et elle lui dit tout pour le One-Eyed Jack aussi. Et donc, Cooper pense que Ben est le tueur, un peu comme tout le monde qui regarde l'épisode pour la première fois. C'est ça, il a toutes les informations. On a juste 4 scènes qui t'appuient bien sur chaque fois. C'est quasiment le climax de la scène, c'est de dire « c'était Ben qui avait tué Laura ». Là, tu te dis, c'est presque mal écrit, hein. C'est genre, sur le suspense, pas terrible. Bah, rejoignons Ben, qui accepte l'offre de Tojamura-san. Et il s'apprête à signer le contrat quand il y a des flics qui débarquent. Et donc il y a Ben qui jongle un petit peu, qui essaie de se barrer. J'adore cette scène. Je sais pas pourquoi. Il la rend. Je la trouve géniale, cette scène. Il la rend géniale. Il est là, non. Déjà. Barrez-vous. Ouais. Non, je n'accepte même pas. Je veux même pas entendre ce que vous voulez. Ça m'intéresse même pas. Tu dis pas non quand quelqu'un veut. Mais c'est le chef de la ville. C'est le grand chef de la ville. Il est au-dessus de tout le monde de son point de vue. Il se fait pas arrêter d'habitude. Et voilà, jamais je me ferai arrêter. Et en plus, sa manière de réagir, on dirait qu'il est coupable à 200%. C'est très drôle. On dirait un vaudeville. Il fait. Bon, je vais me faire un sandwich. Et il sort par la porte cachée en mode vraiment. J'ai plus rien à perdre. Il essaie de se barrer par la petite porte. C'est hilarant. Il joue tellement bien, Richard Bémer. Il est tellement très drôle enfant. À ce moment-là. Et ensuite, son enchaînement de No est vraiment savoureux jusqu'au bout. I'm gonna go out for a sandwich. No! 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 Et ce qui est formidable aussi, c'est à quel point ils ont un plaisir sadique à l'arrêter. Il y a une espèce de côté, c'est revanche sociale. Ouais. C'est l'homme le plus riche de la ville, on va l'humilier jusqu'au bout. Avec ses cigares et son grand hôtel et son magasin et ses putes. Voilà. il va traverser l'hôtel comme ça, menotté, et ils sont contents et c'est trop. On se dit, il va y avoir un problème parce que normalement, le héros ne doit pas être aussi content d'avoir arrêté quelqu'un. Ça peut pas marcher comme ça. Batman et Robin, quand ils arrêtent quelqu'un, ils sont pas là. Ouais. Là, Cooper, en plus, il fait une blague. Genre, le Ben Horn dit, vous pouvez pas faire ça. Et Cooper le regarde et fait, déjà fait. Non, les gars, ça va un peu trop loin là. Il est hautain Cooper parfois. Il est un peu... Surtout que là, il pense avoir le bon gars et en gros, il dit c'est même pas. Me demande rien, c'est lui qui est le shérif. Son côté sûr de lui, il lui donne quand même un côté égocentrique un peu par moment à Cooper. Quand il est en mode full FBI et qu'il est sûr de lui, on peut pas le stopper quoi. Mais surtout que en fait, c'est parce qu'il a une antipathie profonde pour Ben Horn de toute façon. Là, il a tout. Après Audrey, encore plus. Quoi. Voilà, il peut se permettre un truc qui se permet pas avec la plupart des personnages, l'espèce de truc de
soudain, une espèce de joie de faire ça. Et derrière, il rajoute une touche de, comment dire, de jubilation, d'espièglerie, en faisant aussi une espèce de salut. Et un grand sourire et un salut à Soja Moura. À Soja Moura, comme ça, genre, content de voir un Asiatique, en fait, Cooper. Oui, c'est tout à fait ça. Un peu comme Gordon qui est content de voir un manchot. Quoi. Voilà, c'est ça. Il lui fait le même salut, en fait, que Gordon, un peu à, c'est un salut de tête à. Il connaît ce qu'il faut faire. Voilà. Et par contre, Soja Moura a fait une drôle de tête à ce moment-là. Bah oui. Parce que. Maison des Palmeurs, on va arrêter de rire un peu. On n'en est plus du tout. On a du record scratch, le petit bruit. Donc ça veut dire que ce vinyle d'Armstrong tourne depuis la scène qu'on a vue. Depuis 10h ou 11h. Il tourne en boucle. On a le ventilo. Qui tourne en boucle. Qui tourne en boucle. Ouais. Ce fameux ventilo qui ne l'est peut-être pas encore, mais qui va le devenir. Qui va devenir notre pire cauchemar. Voilà, qui au final, à chaque fois qu'on voit le ventilo, on se dit « Ah, merde !» Shit, ça part à la peine. Ouais, exactement. Et on a Sarah qui rentre dans les escaliers. Qui descend les escaliers en rampant. Ouais. On en parlait tout à l'heure, on disait qu'elle était sous-utilisée et que quand il revenait, David Lynch, il l'utilisait. Ouais. Et là, il l'utilise pour certainement le moment le plus effroyable de l'épisode, si ce n'est... Pour moi, en tout cas, c'est la scène d'après. La main... Oui, mais il y en a une qui monte beaucoup. Ouais. Il y en a une qui n'a pas besoin de grand-chose. Pour... Moi, ça m'a terrifié. Enfin, j'étais vraiment... C'est un côté l'exorciste au ralenti. Tu sais, la scène où elle descend les escaliers à l'envers. Oui, mais. Sauf que là, c'est, t'imagines, l'exorcisme, mais en mode si elle prenait son temps. c'est surtout qu'elle est victime. Et donc, on voit l'effet d'un truc qui va arriver après. Ça m'a mis. Hors contexte, c'est vraiment bizarre. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Oui, on les a quittés, ils étaient tous heureux. C'est ça. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'elle a? Elle est droguée, elle est bourrée, qu'est-ce qu'elle a? En fait, exactement, elle a été attaquée. Qu'est-ce qui... Le renversement émotionnel, surtout entre, en effet, le moment où ils disent au revoir à Maddie, et puis surtout les gens du commissariat qui ont arrêté Ben Horn, super contents. Ouais. Les shérifs et tout ça, ils sont là, ils partent, genre, yeah! Puis d'un coup, bascule émotionnel, tu parles, t'as rien vu venir, et t'as tous ces éléments-là. Sarah Palmer qui rampe, et c'est, comment dire, c'est inadéquat. C'est-à-dire qu'encore une fois, on parle de la personne qui a perdu sa fille. On a déjà vu dans des scènes extrêmement dérangeantes à plusieurs reprises. Mais là, on se dit, on va aller encore plus loin. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi est-ce que cette maison des Palmeurs devient un cauchemar, quoi, devient un lieu de cauchemar? Totalement. Et on a le mot abus qui vient tout de suite aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà, c'est ça. Totalement. C'est lui. Tout de suite, on se dit c'est Leland, c'est obligé. Enfin, et là, on commence à avoir A plus B dans notre tête. Genre, on commence à connecter. Et c'est vraiment dans cet épisode, c'est vraiment du compte-goutte de on a genre, regardez, on va passer 10 secondes chez les Palmer, voilà où ils en sont. Oui. Ok, vous êtes absolument terrifiés, on va aller voir quelque chose. Et ensuite, on y retourne. On va confirmer justement dans la scène d'après que là, ça rigole plus puisque la Log Lady se pointe d'elle-même au Sheriff Department. Ouais. Donc, là, logiquement, la Log Lady, faut aller la voir, faut boire son café, faut boire son thé, faut. Ça rigole plus du tout. Non. C'est-à-dire que là, on comprend normalement, si on n'est pas débutant dans Twin Peaks, qu'ils ont fait une grosse connerie. Ouais. Que là, ils sont en train d'arrêter Ben Horn, genre super content, on va la mettre dans la pire cellule de la prison, etc. Enfin, ils sont là, c'est les trompettes, quoi. Et la Log Lady est là, et elle rigole pas. Et soudain, c'est ce plan génial, parce qu'on voit en fait, ils sont au loin, on voit la bûche qui rentre dans le champ. La bûche est nette. Eux, ils sont flous derrière. Et à mesure qu'ils avancent, ils deviennent nets. Cooper et Truman, ils marchent très lentement. Ouais. C'est vraiment un truc amplifié. C'est vraiment non naturaliste. J'adore ça. Ils sont là comme ça, ils avancent vers la Log Lady. Et elle délivre son message. Là, il y a des hiboux au Roadhouse. Et Cooper, vraiment, McLaglan magnifique, fait « Something is happening, isn't it, Margaret ?» Et à partir de là, Cooper, il devient vraiment... passager, il se dit ok, il va se passer plein de trucs, donc je vais être attentif et je vais recevoir les informations qu'on me donne, parce que là il était là, genre il a arrêté et tout, mais à part dès qu'il voit la Log Lady, il se pose comme nous en tant que spectateur et il fait oh merde. Le message de la Log Lady, tiens, ouais,
Elle l'envoie à la Rodas, donc très certainement pour rencontrer le géant. Pourquoi la bûche ne l'a pas envoyée chez les Palmer? Ça, c'est un truc. Pourquoi? Oui. Aller prendre un café. Aller prendre un café à la Rodas. Non, mais c'est marrant. Ils disent va à la Rodas pour que le géant te dise au fait t'as merdé. Parce que je pense qu'il y a une suite d'événements qui est pas modifiable. Ouais. C'est ça le truc. C'est Après, j'ai l'impression que Margaret elle traque les hiboux. Et c'est les hiboux qui sont à la Rodas. Donc c'est pour ça qu'ils y vont. Mais peut-être qu'elle-même, elle n'en sait pas plus. Et qu'est-ce que ce serait les hiboux de la Rodas alors? Ben ça, peut-être qu'on le découvrira plus tard. Les hiboux, ce qu'on apprend, ouais, c'est qu'ils sont plus ou moins liés aux esprits. Quoi. Ouais. Un esprit en particulier. J'essaie de pas rentrer dans les détails. Enfin, en gros, c'est vrai que de toute façon, quand elle dit il y a des hiboux à la Roadhouse, ça veut dire on a rendez-vous là-bas. Quoi. Ouais. C'est presque le hibou devient presque le mot de passe pour surnaturel. Ouais. Et il pourrait interroger Ben, mais il préfère aller à la Roadhouse. We don't know what will happen or when, but there are owls in the Roadhouse. Détail relativement inutile, mais moi qui m'a fait marrer en voyant l'épisode, c'est pas Lucy qui est au standard. C'est un blondinet qu'on n'a jamais vu et qu'on verra jamais. C'est Luc, le frère de Lucy. Au revoir. Vous avez à l'arrière-plan un blondinet au standard qu'on n'a jamais vu et qu'on verra jamais. C'est le truc le plus flippant de l'épisode. Il y a un truc qui va pas dans on abandonne l'oiseau, la matrice va disparaître en Lucie. Est-ce qu'elle reviendra jamais, okay. Quoi, c'est genre un personnage quel acteur c'est. On va chez Pete. Oui. On est content de le retrouver comme d'habitude. Ouais, il se fait une petite tartine. Il se fait son petit chocolat chaud, il se fait sa petite tartine. Il se tout dort. Ah, c'est vraiment mon personnage préféré. Franchement, c'est vraiment, je l'adore. Et il y a Tojamo Hassan qui débarque. Dans le noir, comme ça, qui sort de nulle part. Et qui l'embrasse. On a le premier baiser homosexuel de l'histoire de la télévision. Ça prouve bien qu'avec ce personnage, Twin Peaks est vraiment progressiste. Voilà. Et révélation, c'était Catherine. Mais quoi? Donc là, on va retourner, je vais reparler de ma copine. L'instant copine, ah oui. Sofiane. Elle se doutait qu'il y avait un truc de bizarre avec Tojamo Hassan, mais jamais, jamais, jamais elle avait imaginé que c'était Catherine. Donc quand même, au niveau du maquillage et tout, ils ont fait un bon boulot, quoi. On peut le dire que... Il n'est pas très... Et la voix aussi. Mais en tout cas, on se doute pas. Franchement, Catherine, comment elle s'appelle, Piper Laurie, ouais. La voix qu'elle prend, quoi. Tu pouvais pas imaginer que c'était une femme, en fait, quand tu le voyais. Ouais. Tu disais c'était un mec en déguisement, mais tu disais pas que c'était une femme, en fait. C'est juste... Enfin, moi, le problème, c'est comme c'est le premier que j'ai vu, zéro. Mais par contre... Quand on regarde le truc, on ne peut pas distinguer ses traits dans le corps qui est présenté, les surtout yeux, que en le fait. Reste du corps est presque difforme aussi. Totalement, il y a plein de trucs sur le visage, les lunettes. On la reconnaît quand elle enlève ses lunettes, on voit son regard, et là on la reconnaît tout de suite. Absolument. Absolument. Mais ce qui est très drôle, c'est d'avoir eu cette scène dans l'épisode précédent, on a l'impression que Pete la reconnaît quand même malgré tout. Puisque quand on voit qu'il drague Tojamura, c'est très bizarre, il sympathise, c'est too much. Et Tojamura, enfin Catherine, est gênée par le fait. Elle se dit putain, il va me foutre en l'air mon déguisement parce qu'il est en train de me reconnaître puisqu'il est là, il insiste, il fait ouais, vous reconnaissez la chanson. Enfin, je sais plus comment il lui dit. Ouais, The King and I, ça me faisait pleurer comme un petit bébé ou je sais pas quoi. Bref. Ça. J'aime beaucoup son You Look Terrible. qui se transforme en pleurs et de. C'est joie. Vraiment, c'est une scène très très mignonne. Ouais. Qui prend le temps de nous révéler ça, où elle joue avec la voix, elle perd la voix, elle la reprend. On dirait que Lynch, il s'était gardé ce moment pour lui aussi. Alors, le moment de la révélation, je le mets dans mon épisode. Ouais. J'avais cette impression. Oui, parce qu'il avait envie de faire un peu de... Il avait envie de jouer un peu avec Jack Nance aussi. Parce que quand Lynch est là, il a aussi envie que Jack Nance fasse des trucs. Forcément. Dummy, it's me! It's me! Catherine, you look terrible. Just terrible. Il y a petite l'instant bande originale de Joe Badamanti en fond dans cette scène. On a le retour d'un espèce de thème au piano très chouette qui est appelé Josie et Truman. Oui. Le thème bluesy au piano et d'accord. Il est utilisé comme on l'utilise assez rarement dans la série, c'est-à-dire pas tout seul mais qui monte et qui descend derrière
comme pour créer du mood. Mmh. Ouais. C'est très très chouette. J'ai un petit fun fact sur Piper Laurie, donc l'actrice qui joue Catherine, elle a perdu sa virginité avec Ronald Reagan. Voilà. C'est répugnant. C'est dégueulasse. C'est je suis absolument sûr, répugnant. Je suis sûr qu'il a eu l'anneau de Jade aussi. C'est possible. Alors, ça explique peut-être beaucoup de choses dans Carrie. Hein. C'est le papa de Carrie, en fait. C'est le vrai père de Carrie dans le film de Brian De Palma. Ronald Reagan ? Bah, la maman, c'est Piper Laurie dedans. Ah oui ! C'est vrai. Alors, Piper Laurie a été contactée par Lynch avant la saison, qui voulait qu'elle soit déguisée pour son retour. Et il lui a dit « Why not a Frenchman or a Mexican ?» Ah, quelle période, quelle Et période. C'était son idée à elle, de Piper, de se déguiser en japonais. Pas problématique du tout. Et David lui a demandé de garder le secret de tout le monde, même les membres du cast, même sa famille. Ah bon ? Donc elle venait déguisée tout le temps et elle gardait la voix en dehors des prises. Dans la presse, c'est un peu poussé, hein, dans la presse, ils ont annoncé l'arrivée de l'acteur Fumio Yamaguchi, dont j'ai déjà parlé une fois, okay, parfait, très bien. Qui soi-disant ne jouait que dans des films de Kurosawa, que j'ai inventé dans l'épisode avant, pour le retrouver ensuite dans mes recherches, qu'en fait, ma blague sur Kurosawa, elle était vraie. Et j'étais là, je fais quoi ? J'ai dit ça. C'est une époque où il n'y avait pas Wikipédia. Hein. Ouais, c'est ça. On pouvait faire passer ça, pas. Les gens ne vérifient pas. Quoi. Ils disent, ouais, ça doit être un acteur de Kurosawa. Et elle était annoncée sous ce nom, dans le générique de fin, dans toutes les scènes. Oui, tout à fait. Ça, on voyait bien ce faux nom dans tous les génériques. Mais je ne pensais pas que le cast... Ça, je ne savais pas que le cast, il croyait que c'était vraiment un acteur. Jack Nance. Ouais. Qui allait voir David Lynch pour lui dire Boys, an actor is weird. Ça, c'est parfait. J'imagine, il tire sur la manche. Hey, that actor is pretty weird. Ouais. Trop mignon. Et Peggy Lipton était sûre et certaine que c'était Isabella Rossellini dans sa tête. Ah. Un peu petite pour être Rossellini. Ouais. Ouais. Puis alors là, il fallait vraiment bourrer le ventre et les jambes. Parce qu'elle est quand même toute mince. Mais un truc que je pensais jamais dire dans ma vie, mais parlons Yellowface. C'est ça. On peut enfin faire notre point Yellowface. Voilà. Okay. Alors, ça a commencé vraiment avec les personnages de Fu Manchu et Charlie Chan, qui sont vraiment connus comme étant les personnages les plus très célèbres d'Hollywood du milieu du XXe siècle, hein, donc des années 20, 30, 40. C'était vraiment toujours joué par des hommes blancs. Ouais. Voilà. Le plus connu, Mickey Rooney. Ouais. Je pense Mickey Rooney dans Breakfast at Tiffany's. Il joue Mr. Yuniyoshi. Yuniyoshi. On a du John Wayne qui a joué Genghis Khan. Et le karma l'a buté ensuite. Peter Sellers, il a joué pour l'ensemble de son œuvre, j'ai marqué. Oh, il a fait le Yellow Face Award. Mais vraiment, Peter Sellers, j'ai mis pour l'ensemble de son œuvre et mérite le Yellow Face Award. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est drôle quand même. Ah oui. Même si c'était un sacré connard dans la vraie vie. Ah bon, Peter Sellers. Ah c'était le pire dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'était vraiment le mec désagréable possible. C'est l'exemple type du mec drôle à l'écran et pas drôle. C'est vrai. Ouais. Ah génial. Désolé de. Un de mes petits chouchous, Sean Connery dans On ne vit que deux fois. Quand même Sean Connery avec sa toison poilue qui dépasse de son kimono, qui est jaunie d'ailleurs littéralement. Ils ont ajouté des sourcils qui remontent un peu à la Spock. Magnifique. Anna Karina dans Pierrot le Fou, David Carradine en Kane dans la série Kung Fu, quand même, c'est son plus grand rôle et il joue en asiatique alors qu'il ne l'est pas. On a Max von Sydow en Empereur Ming dans Flash Gordon. Génial. Et plus récemment, on a tout le casting de Cloud Atlas. Oui, quand même, oui. Le Tulfu. Et aussi Emma Stone dans Aloha. C'est ça. Qui jouait une hawaïenne. Ouais, le dernier que j'ai noté. Emma Stone, hein, quand même, la rookie qui jouait une hawaïenne. Ouais. Donc, dans l'histoire du cinéma, ça continue encore le Yellowface, c'est pas fini. C'est quand même intéressant de se dire qu'on a arrêté le Blackface définitivement depuis quand même pas mal de temps. Oui. Je l'ai pas vu, donc ça se trouve, c'est une information mauvaise. Mais dans Cloud Atlas, il y a pas justement une petite Blackface de bon vieux. Tom Hanks, il me semble qu'il y a une. Il y a des sortes de whiteface aussi dans Cloud Atlas. Hein. Le truc, c'est qu'ils jouent tous équilibre, ça va. Non, mais c'est un truc, comment dire. C'est pas l'idée d'avoir un casting de blanc qui joue d'autres choses, c'est plus... Tout le monde joue tout. C'est-à-dire que comme c'est un truc des histoires de sorte de réincarnation, c'est un même acteur qui doit se retrouver dans plein de, voilà, de parties du globe. Ouais, ils ont une bonne excuse pour... Enfin, elles ont une bonne excuse pour... Ouais. Ouais, c'est pas... Je dirais que ça n'a pas vraiment le même statut. De même, dans Twin Peaks, comme
c'est un personnage déguisé en japonais, ça n'a pas exactement le même statut qu'un Yellowface authentique, quoi. C'est pas, ils ont pas. Ah, parce que c'est révélé. Ouais, je dirais que c'est quand même pas pareil. Oui, alors, c'est comme une bonne petite chose. Juste un petit point. Elle est quand même bridée, etc. Enfin, on est quand même dans le cliché, il manquerait plus que les petites dents de devant un peu plus longues. Ah, et on est en full. Michel Leb. Merci. Oui, pour le côté. D'ailleurs, un petit point cocorico. Je voudrais juste parler de la première itération de la Yellowface dans l'histoire de la Yellowface. Mm-hmm. Elle est française, tiens, donc génial. Ça vient de la pièce Tintin de... en Chine, bien sûr. Exactement. Ah non, Tintin, c'est belge. C'est belge. Les Orphelins de Chine, qui est une pièce de Voltaire, 18e siècle, qui est adaptée d'une pièce chinoise, mais qui est genre vraiment réadaptée pour les petits blancs, quoi. Qui est une grosse représentation de l'imaginaire collectif occidental. Donc c'est vraiment, on prend ça comme prétexte et on sert ce qu'on appelle des chinoiseries, donc, c'est-à-dire des délires d'occidentaux teintés un peu de trucs orientaux. Mmh. Le mystère et le kung-fu. C'est ça, et qui exploite cet imaginaire collectif. Il y avait même, j'ai noté aussi, un gars qui s'appelait William Robinson, au milieu du 18e siècle, qui lui, c'était genre, toute sa vie, il a joué Michel Leb style, le personnage d'un... Il a basé sa carrière sur une Yellowface, en fait. Oui, comme le chanteur Al Johnson qui faisait du blackface tout le temps, alors que sa musique était géniale, mais lui, il était toujours en blackface. Ah ouais? Bah, même délire. Ouais, voilà. Seulement, lui, c'était au 18e siècle. Il avait une excuse. Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Enfin, je savais pas ça. C'est Voltaire, alors, qui a le premier fait du Yellowface. Yes, avec l'Orphelin de Chine. L'Orphelin de Chine. Donc Cocorico. Alors. Ouais, qui doit être encore une de ces tragédies toutes pourries, là, où un truc comme ça, son théâtre qui pensait être immortel et on a oublié toute la pièce. C'est ça. Retournons chez les Palmer. Ouais. Sarah continue son tour de la maison en rampant, puisque c'est ça, c'est comme ça qu'elle fait son petit workout le matin, tu vois. Ouais, c'était incroyable cette scène. Allez, là, un cheval blanc apparaît. Ouais, cheval blanc. Avec un énorme spotlight, oui, le premier gros spotlight de l'épisode, parce que ça va revenir beaucoup le spotlight dans cet épisode. Il est là dans son faisceau de lumière, ça fait bien sûr écho. Le premier truc auquel on va penser quand on pense cheval blanc, cheval pâle, etc., c'est la Bible, dans Apocalypse. Qui dit « Et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. » Yes. C'est très joyeux. Et donc oui, le cheval blanc, le cheval pâle, qui est souvent déjà la monture de la mort. Voilà, tout est dit, je pense. Hein. Oui. On reviendra sur le cheval dans les spoilers. Ok, ouais. Ouais. Allons à la Roadhouse. Non, attends. On voit Leland dans cette scène. On voit Leland ? Ouais, en fin de scène, après qu'on ait vu le cheval. Il se regarde dans le miroir, et on voit Leland en train de se faire beau dans le miroir. Il se refait sa cravate, etc. Oui, oui. Il se prépare. Et là, ça devient plus que flippant. Ouais. Et là, normalement, le spectateur, s'il fait vraiment A plus B, il a le truc. Mais ça reste comme une espèce de figure interdite. Donc du coup, on est là, on se dit, on veut rester là. Qu'est-ce qui se passe, putain, chez les Palmer? Ouais, parce que bon, il y a quand même sa femme qui est en train de ramper dans le... Bah oui. Qui a l'air complètement ailleurs, total. Par terre, et lui, il est devant le miroir. Et il se fait très tranquille à se faire beau. Un mariage parfait. Avant qu'on passe à autre chose, je ferais bien un mini point art sur le cheval blanc. Vas-y. Déjà, je voudrais faire un petit coucou à Magritte, encore une fois. Coucou Magritte. Salut Magritte, ça je va sais, on sait que tu nous écoutes. Parce que en 48, il a fait une peinture qui s'appelle La Raison Pure, qui ne peut pas être plus Twin Peaks. Parce qu'elle coche toutes les cases, il y a des rideaux, il y a des arbres, et il y a un cheval blanc. The trees. The trees, the horse. The curtains. Ils sont tous là. Je vous invite à aller le regarder et être absolument fasciné parce qu'il est très beau et très, très Twin Peaks, quoi. C'est vraiment. Bah, il adore Magritte, hein, Lynch. Ah, mais ça se voit à tout. Ouais. À chaque fois qu'il est là, Lynch, il y a du Magritte. Hein, non, mais carrément. Donc je voulais faire un petit coucou à ça. Et aussi, pourquoi pas, un autre tableau de Magritte qui s'appelle Les Compagnons de la Peur, où c'est juste un gang de hiboux. Up to no good. Ah, bah c'est parfait. Bah, Les Compagnons de la Peur. Compagnons de la Peur. C'est le titre. Yes. Ouais. Ils sont là, on dirait un gang, et soit ils vont sortir dans une mixtape, soit ils viennent te tabasser. Les deux. Les deux. Donc voilà, et on en parlait un peu plus tôt. Il y a aussi donc le cauchemar de Fuseli de 1781, où c'est le fameux tableau d'une femme étendue sur un lit, et avec un espèce de démon qui est sur son abdomen, ou sur son lit en tout cas. On l'utilise souvent pour représenter la paralysie du sommeil. Et dans ce tableau, et j'avais complètement zappé, et c'est Pacôme qui nous l'a rappelé, il y a une tête de cheval qui fait un caméo en mode « Eh les gars, m'oubliez pas !»
Donc, puisqu'on parle de cauchemar et de cheval, ça parce que cauchemar, si je dis pas de bêtises, en fait, c'est le cheval de la nuit. C'est ça le cauchemar. Ça, ça doit venir de l'allemand, le terme de cauchemar, nightmare. Je crois que c'est vraiment de vieil allemand et c'est comme un cheval de nuit. D'accord. Ah oui, the pale mare. Ouais. Oui, nightmare. Ouais. Oui, cheval de nuit. Oh. Ouais. Et mare, c'est une autre façon d'appeler. Ouais. Allons à la Roadhouse. Où il y a Julie Cruz, baby. Et oui, et c'est ça qui se passe en fait. Voilà, quand David Lynch est là, il ramène Sarah, il ramène Julie Cruz, on voit Pete. Tout le monde est là, ça coche toutes les cases. Merveilleux. On a la chanson Rocking Back Inside My Heart qui passe avec des lyrics comme d'habitude de David Lynch. Et oui. Qui parle de Shadow in My House, de Do You Remember Our Picnic Lunch? Yes. And We Heard a Howl in a Nearby Tree. Yes. Donc vraiment, ça coche toutes les cases. Et les paroles de cette chanson, elles sont bizarres. Hein. C'est Shadows in My House, The Man He Has Brown Eyes, She'll Never Go to Hollywood. C'est super elliptique, mais c'est quand même, ça joue avec. Pour moi, c'est presque. Il y a aussi un foreshadowing de Mulholland Drive. Ouais. Donna et James. C'est la première fois qu'on voit James dans l'épisode, alors je suis content. Parle d'Harold. James a pas l'impression, on n'a pas l'impression qu'il peut assimiler ce genre d'idées, le suicide, le mal-être, tous ces trucs-là, être dépressif, etc. Je pense qu'il peut pas du tout assimiler. Ouais. Il est un peu trop gentil pour ça. Il est un peu trop pique-nique. Il est un peu trop pique-nique. Et Donna, elle, bah forcément, elle est retournée, elle s'en veut, donc puisque elle se disait en fait c'est un fou malade, mais en fait non, c'était quelqu'un qui était complètement cassé à l'intérieur, Harold. Surtout, James apparaît anormalement égoïste et froid à ce moment-là quand il encaisse ces informations. On a l'impression que c'est un monde qui n'existe en effet pas du tout. Je sais pas si c'est parce qu'il est gentil, ou si c'est parce qu'il est. Non, je disais gentil, c'était pour dire pour pas dire con. Con. Mais après aussi. Il apporte beaucoup plus d'importance à l'idée que Maddie va rentrer chez elle qu'à l'idée qu'un mec qui sont allés faire chier est mort à cause d'eux. Ouais. C'est quand même gravos, quoi. Elle, Donald, elle encaisse le truc. Genre, il s'est suicidé parce qu'ils sont venus foutre le boxon dans sa vie. Et lui, c'est... Lui, de son point de vue, Harold, il l'a vu comme un mec violent qui attaquait ses copines. Hein. Aussi. C'est la seule chose qu'il savait sur Harold. Aussi. C'est pas du tout le contexte. Il sait même pas qu'il est agoraphobe, j'imagine. Je suis sûr que du point de vue de James, c'est juste un mec qui a attaqué ses copines. Ouais. Donc il dit, bah tant mieux qu'il soit mort. Tu vois, de son point de vue, il est comme ça, quoi. Il essaie même pas de poser des questions ou de savoir, d'en apprendre plus. Il voit tout en noir et blanc, James, de toute façon. Il y a un détail absurde. Si vous faites attention, il a foutu... de la saleté sur toute sa table avec ses cacahuètes. Ah, vraiment, des cacahuètes. Je crois que c'est des cacahuètes, je suis pas certain, mais je crois que c'est des cacahuètes, mais vraiment, il est dégueu. C'est un cochon. C'est-à-dire que toute la table est remplie des corses de ce qu'il vient de bouffer. C'est absurde, c'est normalement. Ça nous donne une information qu'on n'a pas besoin d'avoir, mais c'est juste pour le côté comique. Ou alors ça veut dire que genre, ça fait. Il a donné rendez-vous à Donna et ça fait 3 heures qu'il attend. Oui, c'est ça. Et donc, de manière passive-agressive, il montre que... Elle est très, très en retard. Et ensuite, James se met à citer les paroles de Everybody Hurt. Et là, j'ai mis Deep James is Deep. Oh là là. Parce que là, il se la joue un peu deep. On a tous du mal, on est tous mal à l'intérieur. Ouais, il est lourd. Et t'es là genre, ouais, mais il vient de se suicider, il était plus mal que toi. Oui. Hein, que... toi, t'as mangé des cacahuètes. Toi, quand tu vas mal, tu prends ta moto et tu pars faire un pique-nique, ça n'a rien à voir avec Harold. Mais... He was a sick man. I think he was hurt inside in a way I couldn't figure out. Everybody's hurt inside. La Log Lady arrive avec son crew. Ouais. Elle débarque comme ça. Avec les deux hommes à son bras. Ouais. Elle chante cabaret. C'est ça. Et elle mange, elle aussi, des cacahuètes de manière frénétique. Elle, c'est vraiment genre... Et très, très nerveuse. Ouais. Son job. Et d'ailleurs, Cooper la regarde. Il y a un petit regard comique où il est là. Il fait genre, tiens, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle est en train de les manger très, très nerveusement. Mais il la juge pas. Non, il regarde, pas. Elle fait cela. Non, mais on dirait un raton laveur ou un écureuil ou un truc comme ça. Quoi. Elle est là...
Bah, c'est la créature des bois. Mais ce qui est quand même comique, vous avez remarqué, c'est que les trois prennent des pintes de bière. Ça, je sais pas comment on interprète ça. La femme à la bûche prend une pinte de bière, Cooper prend une pinte de bière. Le shérif, je comprends. Cooper, c'est pas sa première. Il en a bu une avec shérif, avec le shérif. Il a bu une avec Hawk. Il a bu une petite bouteille. Quand c'est une espèce de grosse journée. Non, quand ils sont au bar à un moment et que le shérif Truman le rejoint, il est en train de boire une bière. Tout à fait, c'est vrai, c'est juste. Voilà. Donc Cooper en fait finalement boit régulièrement. Justement, en fait, c'est parce que je m'étais posé la question entre les épisodes, je me dis Cooper il boit jamais en fait. Et donc j'ai commencé à faire des recherches et je me dis ah non il boit de la bière. C'était avant que Lynch et son amour, sa romance avec le vin français. Sinon, on aurait vu Cooper en permanence faire. On aurait 5 minutes. Avec que... Bordeaux. Ouais, c'est avant que Lynch vienne plus ou moins vivre en France. C'était plus vers 2000-2001 qu'il est venu ici pour bosser chez Idem. Ouais. Enfin, pour bosser à Idem. Et puis Kyle MacLachlan, il a commencé à faire du vin aussi. Ouais. Il a une vigne ou je sais pas quoi. Poursuivi par des ours. c'est ça. Exactement. Et là, il y a une scène que j'aime bien. Parce qu'il y a Donna qui fait du playback. Et mon cœur, il bat. Je suis amoureux, quoi. Il y a une fille qui me fait ça, c'est bon, quoi. Je l'épouse. Mais alors, déjà. Pareil, tout pareil. Non, mais elle est sublime et la musique est parfaite et elle la chante en te regardant droit dans les yeux. Moi, je suis James, mais vas-y, je vais de l'autre côté du comptoir et je l'embrasse, quoi. Enfin, Par contre, ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est qu'au fur et à mesure de la scène, elle a un grand sourire au début quand elle se met à faire du playback. James, il en a pas. Ouais. Et elle le perd petit à petit et elle commence à avoir les larmes aux yeux. Et c'est à ce moment-là que James, il commence à sourire jusqu'à ce qu'il réalise que merde, ma meuf, elle va pas bien. Et j'ai trouvé vraiment cette scène très. Extraordinaire. James, quand même, il lui en faut beaucoup avant qu'il se rende compte que sa meuf, elle va bien. Mais en termes émotionnels, c'est génial. Tout ce qui se passe à la Roadhouse, sublime. Ça te marche sur le cœur constamment. Vous avez remarqué qu'il y a des marins dans la Roadhouse, hein, qu'il y a des marins de tout à l'heure. Ils sont là avec leurs balles et compagnie, un peu plus calme, c'est moins la connerie. On remarque aussi le serveur de l'hôtel qui est derrière Dodo, on le voit déjà. Donc et on voit aussi Dodo Bobby. On voit Bobby. Ils sont tous les deux Dodo. C'est très bizarre, le changement de mood, en fait, le changement de musique est fabuleux. Avec le changement de musique, puisqu'on entend The World Spins, qui est une chanson iconique de Twin Peaks, on peut le dire, de niveau Julie Cruz, c'est une des plus iconiques. Elle est parfaitement dans l'ambiance, elle est parfaitement. Tu te sens mal quand tu l'entends, mais en même temps, tu as l'impression de voyager dans un autre monde. Elle te fait voyager, elle te fait réfléchir. Ça me fait penser, c'est pas vraiment un spoiler, mais la chanson Shadow qu'on entend dans les premiers épisodes à la Roadhouse de The Return, c'est la version 21e siècle de cette chanson, j'ai l'impression. Bien sûr, c'est certainement comme ça en tout cas que Lynch l'a perçu. C'est le morceau qui conclut l'album de Julie Cruz, Floating into the Night. Sublime album. Et elle a ce truc quand même très spécial qui est qu'elle rappelle. En le jouant autrement, elle rappelle l'arrangement du générique, puisqu'on a de nouveau la basse qui fait cette espèce de son de. C'est le gros son de basse qui est en contraste avec le truc très cristallin du synthé et tout ça, et cette espèce d'énorme basse qui joue comme le générique. Donc on a une autre mélodie, un autre morceau, mais un arrangement qui le rappelle et qui crée aussi un espèce de petit malaise par rapport à ça, ou une étrangeté. Et puis surtout, c'est l'idée de c'est encore une idée de cycle de souffrance et de joie. Alors, le world spin, c'est le monde qui tourne et il y a un moment où c'était joyeux et puis la tristesse revient et c'est ce truc. Et toi, tu tournes avec. Voilà. Ça amène par rapport à l'épisode la touche de mélancolie qui ne contenait pas sinon puisque tout le reste est entre des trucs de sentiments de malaise. D'effroi, de rire, de machin. Et là, on a le vrai deep tristesse qui s'installe. Ouais. C'est super beau. La pièce se fige, sauf Cooper. Ouais. Le groupe disparaît. Ouais. Un spotlight apparaît sur Cooper et sur le géant. Extraordinaire. Mmh. Et là, le géant revient. Mmh. Et on se rend compte donc pourquoi la Log Lady voulait qu'il aille à la Roadhouse. Ouais. Et le géant lui dit « It is happening again. » Deux fois. Ouais. Que dire quoi, parce que c'est une des scènes les plus mémorables de l'histoire de la télévision. Ouais. Même ce qui va suivre ensuite. Oui. Ouais. Tout, à partir de ce moment-là, vraiment, à partir du moment où la pièce se fige et tout disparaît, c'est bon, on est dans un autre monde. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant. Et ce qu'il y aura après sera plus jamais pareil.
Ouais, c'est, et on a l'impression véritablement que là, on invente un rapport au surnaturel que ni la télévision ni le cinéma n'a jamais connu. Qui est cette espèce de truc où, finalement, des éléments aussi presque. Parce que le costume du géant, c'est aussi une espèce de costume de serveur. Ouais. Il a l'air d'un garçon de café. Ouais. Et pourtant, il crée un sentiment de sacralité pour le spectateur. C'est-à-dire d'avoir eu le personnage du nain. Qui est vraiment une bizarrerie totale, mais qui acquiert une puissance ou un truc à la fois émotionnel, d'effroi, de sacralité, de tout ça. Et là, le géant, c'est pareil. C'est pas normal d'éprouver ce type de sentiment. Il le crée vraiment ça. Moi, je suis encore aujourd'hui complètement halluciné par ce que réalisent Lynch et Frost dans ces choses-là, ces épisodes. Quand j'ai créé le podcast. Pour le tout premier épisode, le premier son qu'on entend, c'est Elisa Happening. Mm-hmm. Voilà. J'étais obligé. C'est cette voix. Voilà. Parce que c'est une sorte de voix douce, la voix du géant. Oui, c'est grave. Douce et grave. Et ce mec, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, de Carl Strucker. Strucker. Ouais, un truc comme ça. Qui jouait le majordome dans la famille Adams. Absolument. Et surtout connu pour ça, oui, pour moi. Enfin, pour ça, absolument. Et là encore, une présence assez rassurante au milieu des fous de la famille Adams. Oui. C'était toujours le mec assez gentil, doux. Il parlait pas, mais je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il parle. Je me souviens plus. Retournons chez les Palmer, où on voit des reflets dans le miroir. Ouais. Et on découvre donc que Leland et Bob. Et Bob et Leland. Hein. Leland met des gants de manière très méthodique, comme si c'était pas la première fois qu'il avait fait ça. Mmh. Et Maddie entre dans la pièce en courant à cause d'une odeur de brûlé. Ouais. Donc on disait que Bob laissait derrière lui une odeur de d'huile d'engin brûlée. D'huile de moteur brûlée. Voilà. Scorch engine oil. Ouais. Et elle voit Bob, puisqu'elle est soit gifted, soit damned. Elle veut voir Bob. Je pense qu'elle est un peu des deux. Et aussi, on a le spotlight sur elle, dès qu'elle entre. Ouais. Le grand spotlight, comme ça. Mmh. Et à chaque fois qu'on voit Bob, puisque là, ça fait des jump cuts entre Bob dans le spotlight et Leland. Mmh. C'est difficile de décrire cette scène parce qu'elle est difficile à regarder, on peut le dire. C'est vraiment. Très éprouvante. Elle est longue et très éprouvante. Elle est cauchemardesque. Ouais. C'est vraiment le pire cauchemar qu'on peut avoir quand tu te réveilles le matin, t'as pas envie d'avoir rêvé de ça. Quoi. Non, évidemment. Voilà. Et puis elle est longue et en plus il y a des bons gros slow motion qui rendent le truc encore plus monstrueux. Dès qu'on voit Bob. C'est en slow motion. Ouais, et puis le son devient plus grave et plus menaçant. Ouais. C'est vraiment cauchemardesque. Et... On a Bob et Leland qui dansent avec Maddie. On a une différence entre les deux où on a Bob qui est en mode sexuel, animal. Prédateur. Ouais, qui jubile. Qui lui bouffe à moitié le menton. Ouais. On sent que Lynch aurait voulu mettre. Ça fait écho au viol de Laura. Voilà, c'est le sous-entendu. C'est sous-entendu qu'en fait, on peut pas le montrer à la télé, mais en gros, imaginez que dans cette scène, elle se fait violer. Quoi. Oui, ouais. Absolument. C'est certain. On peut le dire, quoi. Oui, je comptais dire la même chose. C'est vrai, c'est que c'est une scène qui implique l'idée du viol sans le montrer. Et Leland, lui, qui danse, qui crie Laura, oui. Qui lui est perdu à nouveau dans son deuil, dans sa culpabilité, oui. Pendant qu'il est en train de la tuer, d'être possédé. Il est quand même là, au fond de lui, il est là en train de hurler le nom de sa fille, quoi. Bah, en fait, il alterne aussi entre l'état de Bob et son état de Leland. Et c'est assez bizarre parce qu'il, oui, il la caresse, il pleure, il est dans un état frénétique, en fait. C'est, il est dans son espèce de, il est double. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il parle au nom de Bob. Quand on voit Leland, il dit, Leland dit, que tu vas retourner à Missoula, Montana. Ouais. Donc, même quand il est Leland, il n'est pas Leland. Ouais, c'est Bob qui joue avec un jouet de Leland, en fait, qui dit « Oh, il y a Leland qui dit ça, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu. » Un truc que je voulais dire, c'est que le fait qu'il l'appelle Laura, c'est aussi, il ne faut pas oublier que Maddie, c'est le sosie de Laura. Bien sûr. Et qu'en gros, elle est là pour remplacer Laura, pour recréer le meurtre de Laura. Exactement. Depuis le début, elle a juste été là pour ça. Quoi. Elle en fait, son personnage n'a jamais vraiment été développé, à part pour dire qu'elle ressemble à Laura, qu'elle copie la vie de Laura, qu'à un moment, elle met la perruque de Laura, enfin, elle met la même coupe de cheveux. Et là, jusqu'à la fin, elle copie Laura jusqu'à son meurtre. Oui.
Même jusqu'à avoir une note en dessous de, la, de l'ongle, enfin, oui, vraiment de refaire le, tout. Et le rôle de, qu'elle a dans cette. Enfin, c'est un peu le point culminant de son rôle, c'est de juste nous. Enfin, juste entre guillemets, nous dire, bah voilà, en fait, c'est lui depuis le début qui a tué Laura. Donc on assiste aux morts de Laura à travers elle. Donc vraiment jusqu'au bout, elle aura été. Donc plutôt que de tuer Donna, de tuer Audrey, de tuer Shelley, ils ont inventé un personnage de double de soap opéra, en plus, on peut le dire, c'est vraiment le pur personnage de soap opéra. Totalement. Et vraiment juste pour qu'au final elle meure, quoi. C'est vraiment la, la woman in a fridge, comme on dit, quoi. Et puis c'est pas comme si les épisodes précédents nous l'avaient pas annoncé, puisqu'elle a des visions de Bob de façon récurrente. La vision, il approche petit à petit. Oui. Dans la tâche sur la moquette, d'ailleurs, vu qu'elle, là où elle meurt, à l'endroit où elle meurt. Exactement, et dont elle a rêvé. Elle disait j'ai rêvé de la moquette à cet endroit précis. Et dans la version japonaise, il y avait la tête de Leland surimposée dessus. De Bob. Tout à fait. Pareil. À propos de tête surimposée, il y a juste. L'effet là. Alors je vais faire un bémol dans mon admiration absolue de cet épisode. C'est juste, on rajoute une espèce d'effet de Bob ricanant sur la tête de Leland au début. Ça fait vraiment très pour si vous n'aviez pas compris. Ouais. Parce que c'est dommage parce que les reflets suffisent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu voir Lynch et dire moi je comprends pas trop là, c'est quelqu'un de la production truc comme ça. Ça fait je comprends pas trop, alors il dit bon bah on va mettre ça. Oui, ça fait effet surajouté et c'est pas quelque chose qui va qui est consistant avec son esthétique. Donc c'est une note étrange par rapport à l'ensemble. Mais par contre le truc des effets spotlight et C'est ça, on peut dire, c'est un effet esthétique que Lynch a l'air d'aimer beaucoup à cette époque-là. Qu'il utilise beaucoup à ce moment-là et qui crée quelque chose aussi, encore une fois, de non naturaliste, très intéressant. C'est-à-dire que là, on a beau voir une scène qu'on accepte en tant que telle, on te marque bien l'effet de fiction par ce spotlight, genre, Totalement. Ça, c'est chaud. C'est comme, là, il y a un côté showtime, les gars. Ouais. Et donc elle retourne à Missoula Montana littéralement en se prenant le tableau dans la tête. Ouais. Qui l'avait vu venir la première fois que vous avez regardé Twin Peaks? Littéralement la première fois que tu l'as vu. Je crois que moi je l'ai vu venir quand il a commencé à dire qu'il a rencontré Bob et qu'il jetait des allumettes sur Bob. Enfin que Bob lui jetait des allumettes. Je crois que c'est là que j'ai commencé à avoir des indices. Et plus ils essayaient de pousser le côté Ben, que ce soit Ben le tueur, plus j'ai que je croyais moins à Ben en fait. Ouais. Je me disais, c'est trop évident. C'est trop évident. Et quand ils ont dit, c'est un mec qui est au Great Northern Hotel, c'est là que je pense, la première fois que j'ai regardé Twin Peaks, que je me suis dit, c'est Leland. Vraiment. J'ai été sûr et que dans l'épisode d'après, m'a confirmé que c'était Leland, en fait. Donc, toi, tu t'en rappelles? Je crois que j'étais vraiment client et que j'étais vraiment. C'est Ben. Enfin, je crois pas que j'étais sûr que ce soit Ben, mais Leland, même s'il me paraissait bizarre, je le trouvais trop grotesque. C'est ça. Et c'est quand on le voit face au miroir que j'ai dû faire ah, ok, bon, c'est fini. Ok, ciao. Non, mais il y a aussi la scène où. Tu sais, où, qui nous avait fait flipper, où il est enfermé dans le noir. Ah oui, alors cette scène. Dans la saison 1, où il regarde Maddie partir. Ah, incroyable. Et c'est aussi des petites scènes comme ça que si tu les mets bout à bout, tu te dis. Oui, voilà. Enfin, mais encore Jack Torrance à fond. Hein. Non, mais c'est sûr que le traitement du personnage de Leland, à part peut-être dans le pilote, mais très vite, il le mélange un élément de grotesque, un élément quand même qui fait qu'il est terrifiant. Mais on peut pas l'admettre parce que c'est quand même le père de la victime. C'est quand même un homme en deuil. Donc, c'est comme Sarah et Leland, on joue vraiment avec un traitement émotionnel des personnages qui est très, très trouble pour le spectateur. C'est-à-dire qu'on. Je connais pas d'autres fictions qui font ce truc-là. Pas, enfin, à ce point, je veux dire, où on est. On se sent obligé moralement de les soutenir, on va dire, alors que tout nous fait peur chez eux et tout nous fait flipper. Le cauchemar, c'est de passer. On a pitié pour eux, même s'ils nous font peur. Quoi. Ouais. Oui, c'est ça, on est obligé. On est obligé. Et on est un peu comme Maddie, qui prend sur. Enfin, comment dire, qui est là, oncle Leland, tante Sarah. Je lui dis, putain, Maddie, mais casse-toi, c'est vraiment le cauchemar ici, qu'est-ce que tu fous là? Elle est là pour James. On est tous là. Et donc on a plusieurs degrés de tristesse là, parce qu'on découvre déjà que Laura a subi de l'inceste en fait. Laura, c'est son père qui la viole depuis qu'elle a 11-12 ans. Ouais. Dit, enfin,
merde. Ouais. Et est-ce qu'elle, elle s'en rendait compte un jour? Elle s'en rendait compte. C'est un truc qu'on découvrira peut-être un jour ou pas. Et mais juste, ça ouvre tellement de questions et surtout ça change complètement la vision qu'on a de Laura d'un coup. Oui. Laura, on était déjà genre putain la vie difficile qu'elle a eue. Oui. Mais alors là, oui. Là, elle devient martyr en fait. Oui. Là, elle devient martyr carrément Laura. Totalement. Et je pense que c'est ça que Lynch voulait aussi. Il a dit ah ouais, vous voulez me forcer à dire qui est le tueur, ben, je vais quand même la transformer en martyr. Tu vois, je vais quand même continuer à garder la sacralisation de Laura encore plus, quoi. Ouais. Un encore plus gros degré. Mais quand il dit à Ray Wise, it was always you, moi, ma question, en fait, je ne sais pas s'il y a des interviews qui le disent très clairement. Est-ce que Lynch et Frost se sont dit vraiment longtemps avant qui était le tueur de Laura, ou est-ce qu'ils se sont interdits de le dire? Je ne suis plus sûr de ce truc-là. À eux-mêmes? Oui, enfin, entre eux. Alors, entre eux, ils savaient que c'était Leland. Ah, ils le savaient. Mais Bob est apparu quand Frank Silva est apparu dans le reflet. Bien sûr. Et bien que sûr. Là, Bob est donc... La présence de Bob, oui. Le côté surnaturel, etc., oui. C'est apparu vraiment comme ça. Tout à fait. Enfin, vraiment fait. La pure chance. Oui. Mais par contre, Leland, c'était toujours sûr que c'était... C'était toujours Leland. Ouais. Donc, l'idée, quand même, c'était de jouer sur un tabou. Enfin, je puisqu'ils ne voulaient pas révéler qui c'était, mais ils avaient décidé que c'était le père, ça veut dire que, grosso modo, ils voulaient créer toute cette fiction autour d'une information essentielle et qui transforme tout qu'on ne dirait pas. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment un moteur narratif énorme chez Lynch, qui est de te faire. Et je pense que c'est quelque chose, moi c'est mon sentiment, qui agit sur ses autres fictions. Quand il est libre de faire ce qu'il veut, mm-hmm. de ne pas révéler, ce qu'il ne révèle pas, c'est quelque chose qui est au moins aussi important que ce qu'il dit. Tout à fait. Hein. Mm. Et on a donc un deuxième niveau de tristesse, puisque un de nos personnages adorés qu'on aimait le plus, on va dire, Leland, qui en fait est le méchant de l'histoire. Oui. Donc vraiment un personnage qu'on aimait, dès qu'il se pointait dans une scène, on était là, genre, ouais, c'est Leland, trop bien, il est drôle. Mm. Il va chanter, il va faire des claquettes. Et là, en fait, maintenant, à partir de maintenant, quand on va le voir, on va faire... voilà. Quoi. Pas drôle. Plus du tout. Ouais. Vraiment plus du tout. Non. Ouais. C'est fou de faire un 180 degrés comme ça. C'est cauchemar. Sur un personnage en une scène. Ouais. En une scène, il arrive à te changer complètement. C'est méthodique et c'est terrifiant. Mm. Je ne sais pas si ça vous intéresse, un petit trivia inutile Missoula Montana. Oui. Que j'ai Wikipédia. Oui. Le surnom de cette ville et de la vallée de Missoula, c'est les portes de l'enfer. Ah, ok. Parce que quand les trappeurs français sont arrivés là-bas. Voilà. Quand les trappeurs français sont arrivés là-bas, ils ont retrouvé plein d'ossements. Cocorico. Oui. Parce que l'embouchure de cette vallée, parce que les peuplades natives qui bataillaient pour récupérer la région arrêtaient pas de se faire des embuscades à cet endroit-là. Quand ils sont arrivés, c'était genre un cimetière, quoi. Ça devait être quelque chose. Ouais. Ils ont fait, oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc ils ont appelé ça les portes de l'enfer. Donc en gros, Leland, il balance Maddy en enfer. Princess, you're going back to Missoula, Montana. Donc j'ai plusieurs questions. Quand est-ce que Leland était Bob dans la série? Quand est-ce qu'il était possédé par Bob et quand est-ce qu'il était Leland? Par exemple, quand il a attaqué Jacoby, c'était Bob. C'est une bonne question. Là, on a la question que c'était Bob parce qu'il y a l'odeur. Il y a l'odeur de l'huile. Mais quand il a tué Jacques Renault, est-ce que c'est Leland? Moi, pour moi, c'est Leland. Ah oui, parce qu'il venge. Oui, je pense. Il venge le tueur de sa fille alors que c'est lui le tueur. Ouais, c'est Leland. Donc les deux sont coupables. Ce qui est ambigu, c'est que Jacoby, je crois, dit qu'il avait déjà senti cette odeur. Il avait senti cette odeur, que c'est une odeur qui sent aux deux endroits, c'est-à-dire que quand il se fait attaquer et aussi à l'hôpital puisqu'il est à côté. Ah oui. Donc je pense que c'est Bob aussi, mais c'est bizarre. Mais de toute façon, c'est Firewalk with me. Voilà. De toute façon, c'est le feu, tu marches avec moi, main dans la main. Je pense que tout est dans ces quatre mots là. C'est toujours Leland et c'est toujours Bob. Ils sont toujours plus ou moins ensemble, Firewalk with me. Et Bob a l'air d'être depuis si longtemps en Leland, et inversement, que voilà, ils sont l'un à déteint sur l'autre. Et, 40 ans ensemble, apparemment. Mm. J'avais une petite théorie que j'ai trouvée intéressante. C'est le man in a smiling bag. C'est Bob qui est dans Leland, qui sourit. Ah! Parce que sinon, cette théorie du sac qui faisait un sourire, mais il n'y a pas d'homme dedans.
Ouais. Je la trouvais un peu bof. Ouais. Je préfère qu'en fait que le Mind is Smiling Bag, c'est Bob et Leland. Le en fait. Sac, c'est Leland. Ouais, le sac, c'est Leland. Ouais. Voilà. Ah, c'est une bonne pas chose. Mal. J'aimerais parler de Frank Silva un petit peu, donc qui joue Bob. Oui. Qui a bossé en tant que décorateur sur Dune et sur Sailor et Lula. Remarqué par Lynch pendant le tournage du pilote, qui est venu le voir pour lui dire « Est-ce que t'es acteur ?» Et lui, il a dit oui, alors qu'il n'était pas acteur. Parce que c'est Los Angeles. Et ensuite, donc, il a apparu par erreur dans le miroir derrière Sarah Palmer, quand Sarah elle hurle dans le pilote. Et c'est ainsi que est né Killer Bob. Donc, Frank Silva est décédé du sida le jour de mon anniversaire, en 95. Le deuxième épisode de The Return lui est dédié. Donc voilà, pour dire à quel point. Le premier épisode, c'était Catherine Coulson. Donc, la Log Lady. Et le deuxième épisode, c'est Bob, qui a le droit à... Le dernier épisode, c'est Jack Nance. Ouais. Pour dire le cerise sur le gâteau. Ah bah, c'est parce que c'est voilà. Et donc, le vieux du room service est là. Ah oui, on est de retour au... Parce que... Ah, on retourne à la Rados. Et intéressant qu'il apparaît dès que le géant apparaît. Ouais. Quand même, c'est un truc qu'on peut se dire, puisque dans le premier épisode de la saison, c'était pareil. Sont-ils liés? Sont-ils liés? Et ils sont tous les deux habillés en serveur. Oui, en serveur. Donc, on a ce moment vraiment touchant où il dit « I am so sorry ». Bouleversant. Et tout le monde est triste dans la pièce. Même Bobby, qui ne sait pas vraiment pourquoi il est triste. Exactement. Peut-être parce qu'il est rempâte, un petit peu comme son père. Et donc, il se rend compte qu'il se passe un truc. Tout à fait. C'est l'impression que ça donne. Ouais, Bobby, il est un peu, en fait, il essaie d'être éloigné de tous ces trucs-là. De tous les trucs super naturels, si on réfléchit, Bobby c'est le plus éloigné un petit peu de tous ces trucs là mais il a même pas essayé de résoudre l'enquête de Laura, il s'en fout complètement. Non, lui il avait ses trucs. Et pourtant on le ramène toujours un petit peu à ses émotions. Bobby au final c'est le plus émotif d'entre nous, alors qu'il essaie de pas l'être. C'est vrai. Et donc on a Donna qui pleure, James qui la réconforte, on a Cooper qui est perdu. Genre, il se dit, mais quoi? Ben, il est en prison, là. De quoi vous me parlez, là? Mais de quoi vous me parlez? Qu'est-ce qui se passe, là? Je comprends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ouais, c'est. Et pour la première fois de l'histoire de la série, on en sait plus que Cooper. Et vrai, c'est extraordinaire. On est carrément en avance. On sait qui est le tueur. Lui, il est loin de le savoir pour l'instant, quoi. Parmi les détails de cette scène aussi que j'avais trouvé tout à fait troublant, quand on revient sur cette scène, on a un gros plan sur le géant. On a l'impression qu'il vient de voir la scène qu'on vient de voir. En tout cas, il participe de l'état émotionnel du spectateur. C'est comme un spectateur de la scène qu'on vient de voir. Il est affligé. Il est affligé. Et ce qui est sublime, c'est que ce qui suit, en fait, c'est, tu dis empathie, mais c'est en fait l'ensemble du Roadhouse qui rentre en empathie. La ville. Voilà. Ça, c'est, comment dire, c'est comme si le groupe était un être unique qui venait de recevoir l'information que Bob avait tué à nouveau et qui réagissait par rapport à ça. Alors qu'ils ne savent pas. Alors, ils ont Donna a une sorte de raison objective de pleurer. Harold. Qui est Harold et qui est la connerie de James. Non, mais c'est vrai, parce qu'il est parti en cours dans cette scène. Mais on imagine qu'en fait, ce qu'il a fait pleurer, c'est l'information qu'elle reçoit aussi, elle, par empathie, puisqu'elle a. Ça rejoue le premier épisode où elle pleure quand elle voit que Laura n'est pas là. Grosso modo, c'est l'empathie de Donna. Bobby. En effet, a une dimension empathique qu'il contre régulièrement. Et le vieux serveur, lui, a l'information. Il a l'information. Et s'il est désolé, c'est presque comme si... en disant ça à Cooper, c'est aussi le dit quasiment. C'est comme une sorte de... Je suis tellement désolé que le monde soit comme ça. Pas seulement... L'as pas vu venir. T'es trop bon pour ce monde. Oui, tu l'as pas vu venir. Mais la réalité est pire que ce que tu crois. Malheureusement, le monde ne ressemble pas à un conte de fées. Le monde n'est pas aussi beau que le méchant que t'as arrêté. Grosso modo, c'est le chef mafieux absolu de la ville, le grand gangster, le Bernard Tapie. Le monsieur Burns. Voilà, l'espèce de... Ça sera pas lui, ça va être beaucoup plus triste. Et aussi, le spectateur, le côté... vraiment, on va plutôt vous dire la vérité que vous raconter une connerie. Ouais. Et le serveur a une espèce de rôle médiateur, comme ça, qui est de dire... En fait, c'est Lynch et Frost qui disent...
On est désolé. Mais en fait, vous pensiez peut-être que Twin Peaks ça allait être bizarre mais sympa, un peu effrayant mais bizarre mais sympa. En fait, Twin Peaks, ça va aussi être super triste. Parce qu'on vient d'être trahi par une figure paternelle. Ouais. On vient d'être trahi par un personnage qu'on appréciait ou qu'on aimait regarder. Tout le monde est triste avec nous. Et le gars vient s'excuser en disant... Bah, et on vient aussi d'être trahi par notre personnage principal qui était supposé toujours être en avance sur nous. Oui, on pouvait se reposer sur lui. Voilà. Et Cooper, il est super sûr d'avoir arrêté la bonne personne. Il est fanfaronne. Et là, on se dit, merde, Cooper est faillible. Surtout qu'avant, on l'avait vu sauver la princesse dans le château. Bien on sûr. L'avait vu... Enfin, voilà. Cooper est désolé, mais t'as échoué. Voilà. Et c'est ce moment-là où les rideaux rouges viennent recouvrir le visage de Cooper... Et ça crée une espèce de sentiment pour le spectateur à la fois de tristesse, d'effroi, quel que soit ce qui va suivre. De toute façon, il y a une vérité de Twin Peaks qui n'est pas une vérité agréable. Qui est un côté... ce monde, cette confrontation avec les mondes, l'impétuosité à vouloir comprendre les énigmes, toutes ces choses-là ne résultent pas nécessairement d'une fin heureuse. I'm so sorry. Sur ce, on finit l'épisode. Non, je déconne. Générique de fin. Qui revient sur The World Spins à nouveau. Oui. Et qu'est-ce que c'est déjà l'image? Cooper avec le rideau rouge sur lui. Ouais. Pour une fois, on ne finit pas avec le visage de Laura Palmer. C'est vrai. Et c'est, si je ne dis pas de bêtises, le troisième générique, alors à ce jour... d'avoir un générique de fin différent. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on en a eu, c'est un privilège du prince. Quand Lynch est là, il se fait un générique de fin adapté. Les autres, ils doivent rester sur le portrait de Laura. Mais Lynch, lui, peut faire autre chose. Puisque... C'était quoi les autres? Alors, épisode 2, c'est le nain qui danse. Oui, avec la musique. Avec la musique du nain. Mm-hmm. Et pas la musique de Laura. Et premier épisode de la saison 2, c'est Gersten Hayward. Te fait un petit boogie-woogie au piano. C'est vrai. Qui fait le gros boogie-woogie de la mort qui tue. Et pas du tout la musique de Laura et compagnie. Voilà. Et donc, c'est une espèce de fée du prince. Là, donc, grosso modo, on termine sur The World Spins avec Cooper, le rideau, et une espèce de truc que ça ouvre sur quelque chose, genre Twin Peaks n'est pas... On ne sait pas encore ce que c'est que Twin Peaks, en fait. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cet épisode? On le classe où dans la totalité de la série, sans rentrer dans les spoilers. On le met dans le top facile. Au moins top 5. Moi, je dirais au moins top 3, même. Dans la série originale, c'est peut-être un de mes préférés. Ouais. Avec le pilote et le dernier. C'est clair. Voilà. Pour moi, il y a... T'es pas d'accord là-dessus? Si, je suis d'accord, mais après... Voilà, techniquement, je les ai pas tous vus, mais je pense pas que c'est ceux que j'ai loupés qui vont faire leur place dans le top. Donc, je pense que je suis pareil que toi. Pilote, season finale de la saison 2. Et celui-là. J'aimerais aussi ajouter quand même dans la liste celui où Cooper a son rêve, parce que c'est quand même tellement important. Bien sûr. Enfin, c'est le 3. On va pas recommencer. Alors, en fait. C'est trop chiant cette histoire. Oui. C'est le seul truc confusant de tout. Pendant la saison 1, c'était pas mal. À chaque fois, on est là genre. Passe aux spoilers. Let's go. Salut les non-spoilers. Salut. Hello everybody. Today, I'm going to put these panties in my mouth. Salut les spoilers. Bon, bah, je voulais dire un truc que je pouvais pas dire pendant l'épisode. C'est le géant et le vieux, ils ne font qu'un. Voilà. Ensuite, j'aimerais parler d'un truc pour les spoilers, c'est le rôle de Sarah. Mm-hmm. Je voudrais qu'on se penche sur ça. Il y a plusieurs trucs. Alors ça, c'est le gros morceau, Sarah et le cheval blanc. Est-ce qu'on peut dire au tout début... Mais c'est aussi Sarah droguée. Sarah, ouais. Qu'est-ce qu'elle savait, Sarah? Qu'est-ce qu'elle sait, au final? Juste avant, vraiment, c'est un détail, mais la phrase du début de Mike, quand il dit « Bob est dans un lieu au milieu de la forêt, avec plein de pièces différentes, des âmes errent dans ces pièces différentes chaque soir, etc. » peut aussi déjà parler de The Black Lodge. Ouais. En tout cas,
il ne parle pas nécessairement du Great Northern. Mmh. Ce qui rendrait ça, en tout cas, plus acceptable que de dire Bob est au Great Northern, ils arrivent, ils rentrent chez lui, etc. Ça peut avoir les deux sens. Comme très souvent dans les paroles de ces personnages-là, auront plusieurs sens, plusieurs machins. Mais allons-y sur Sarah. Alors déjà, la première question que j'aimerais poser, c'est... est-ce qu'elle est déjà possédée par Julie? Alors on rentre deep dans le truc. Ouais, on est vraiment... Alors là, on avait dit qu'on parlerait pas de Judy. Où est-ce que Judy s'est réveillée plus tard en elle? Déjà, voilà la question. Alors, si je peux dire un truc qui, j'espère peut-être lancer pas comme parce que je vais faire une référence à un truc que tu racontes dans La Substance de ce monde, je crois. Oui. C'est que tu parles de Bob et Judy comme deux mots différents. Il y a un mal actif et un mal passif du monde. Et Bob, c'est celui qui est violent et qui te choque, etc. Et Judy, c'est le mal sous-jacent qui est présent et qui ne se révèle que lorsque Bob a terminé son sale boulot. Moi, je serais tenté de dire que c'est un peu ça. La réponse, c'est que malheureusement, Sarah est passive et elle subit. Et elle est derrière, et elle est droguée, elle est... Oui, d'ailleurs, il faut le dire que pourquoi elle rampe comme ça, c'est parce qu'à chaque fois que Leland allait faire un crime ou allait violer sa fille ou de ce genre de choses, il droguait Sarah. Voilà. Mais elle sait. Au fond d'elle, elle sait. Elle sait. Bah, oui. Et c'est pour ça qu'elle est comme ça. C'est pas Julie qui la bouffe quand on la voit là comme ça creusée avec ses yeux cernés et qu'elle est mal. C'est pas juste d'avoir perdu sa fille, c'est aussi qu'elle sent au fond d'elle que c'est le gros cinglé qui chante à côté d'elle qui est responsable en fait. Dans le film, quand la première scène de dîner où on voit les Palmer et Laura et que Sarah est extrêmement tendue par les réactions de Leland, c'est très clair qu'elle sait. C'est très clair, il n'y a pas de doute là-dessus, je pense. Mais ça fonctionne aussi comme un tabou. C'est-à-dire que tout le long de la série, on a toujours le doute, on ne nous dit jamais directement « Sarah sait ». Le spectateur doit se faire son idée. Est-ce qu'elle sait ou est-ce qu'elle sait pas? Est-ce qu'elle est complice ou est-ce qu'elle est victime? Et quand on rentre dans la saison 3, c'est asséné ce truc-là. C'est-à-dire, comment est-ce que tu dois voir Sarah? Toutes les scènes où on voit Sarah devant la télé, c'est est-ce que tu dois voir Sarah comme une victime ou comme une complice? Est-ce que tu dois voir Sarah comme quelqu'un qui subit le mal? Comme quelqu'un qui, d'une certaine façon, projette le mal, envoie le mal, est complice du mal. C'est jouer sur un sentiment qu'on a dans la vie, qui est de doute qu'on peut avoir dans des situations comme celui-là. C'est toujours le truc, c'est est-ce qu'elle était au courant? Est-ce qu'elle a laissé faire? Est-ce que... Quelque part, elle est les deux, parce qu'elle a l'air d'être, surtout dans la saison 3... Comme Leland et Bob. Hein. Oui, ouais, exactement. Elle a l'air d'être vraiment vaisseau de ce mal, mais ça la fatigue, ça la crève. Et même quand on parlait de la scène où Leland, il fait tous ses... Leland, il essaye vraiment de sauver la face, d'en faire des caisses pour montrer, regardez, on est heureux, regardez, on chante, je me sens très bien et tout. Mais Sarah trahit de la vraie nature de la famille et... Et elle a l'air d'être un peu à l'ancienne dans le sens qu'elle est mariée à cet homme, elle peut pas aller voir la police, même si elle sait des choses. C'est genre, c'est comme ça, c'est le mariage, c'est l'institution. J'ai cette impression qu'elle irait jamais d'elle-même dire, déjà pour ce que ça représente aux yeux de la ville, comment la ville va la regarder. S'il dit, elle irait voir la police et dire, mon mari viole ma fille. La façon dont elle serait traitée par les autres, etc. Je pense que ça a aussi c'est aussi une raison pour laquelle je pense elle a jamais rien dit. Hein. En fait, toute la question qui se pose derrière tout ça, c'est de toute manière, c'est une question qui va se poser. Là, on est dans les spoilers, on peut y aller, mais qui va se poser à fond dans la saison 3, surtout dans les derniers épisodes. C'est qu'est-ce qu'on entend par Judy, puisque c'est vraiment. Là, la saison 3, elle réussit ce qu'il voulait faire dans les autres saisons, qui est d'être sur un mystère vraiment jamais complètement attrapé. Autant Bob, finalement, on lui octroie une forme, une modalité, presque une réalité, quoi. Il y a un truc, c'est Leland, Bob, un esprit, il tue pour le plaisir, machin. Ok, c'est presque une forme qu'on connaît du mal. Judy, on ne comprend pas du tout. On est vraiment dans un truc nouveau. On peut attribuer à Judy énormément de choses. Et en particulier, dans cet épisode, le cheval qui apparaît et qui va devenir un symbole qui va revenir beaucoup dans... Enfin, beaucoup. Qui va revenir à saison 3 deux fois, beaucoup. Non, mais c'est ça, je crois.
Il y a le poème aussi. Il y a quand un moment on voit le rideau se lever avec du vent comme ça et on le voit. Oui. Et dans l'épisode 8, quand il repart, on l'entend. On l'entend et puis il y a le poème dans le poème. Le cheval est dans le poème des Woodmen. This is the water, and this is the well. Drink full, and ascend. The horse is the white of the eyes, and dark within. Et aussi, et on voit dans le dernier épisode, la petite statuette. Enfin, dans le dernier épisode, il y a un peu plus, puisqu'il y a un petit cheval à bascule à l'entrée du café chez Judy. Mais un truc pour enfants, mais c'est un cheval blanc quand même. Ouais. C'est parfait. Et puis, il y a cette petite statuette chez Carrie Page. Et déjà, on ne sait pas si ce sont véritablement les... Enfin, c'est très ambigu. Est-ce que ce sont vraiment les enfants de Judy ou est-ce que Cooper essaie de... Enfin, d'ailleurs, on ne sait même pas ce que Cooper pense quand il le voit. Est-ce qu'il pense que c'est le symbole de Judy ou est-ce qu'il se dit, tiens, une statuette de cheval blanc, qu'est-ce qu'il fout là? Et le spectateur pense que c'est Judy. Enfin, on est dans une ambiguïté totale. Parce que Cooper, il n'aurait aucune raison, lui, de ce qu'on a vu, de croire que le cheval blanc, c'est quelque chose. Bah, dans la Black Lodge, quand même, malgré tout, après que... Laura est disparue, il y a cette plongée dans les rideaux et le cheval blanc qui apparaît. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est le cheval dans une assiette qui fait, qui fait un œil, comme les paroles du poème. Donc c'est pour ça. Nous, quand en le voyant, on se dit « Ah, c'est comme le poème oui, !» Mais lui, il n'a jamais entendu ce poème. Mais il connaît beaucoup de choses que on doit lui attribuer beaucoup de connaissances malgré tout. On ne sait pas. Mais il a passé 25 ans dans la loge. Dans la loge. Puis visiblement, il a l'air d'être au courant des trucs liés à Judy. Nous, on n'était pas au courant. Gordon Cole et Major Briggs étaient au courant. Enfin bon, on nous sort beaucoup de... Enfin, on sait... Fait du retcon. Ouais. Et en fait, le truc principal lié à Judy, c'est que on ne sait pas ce que les personnages savent. On ne sait pas ce qu'il faut lui attribuer. On ne sait pas dans ce qui apparaît dans la saison 3 est Judy. Ce qui ne l'est pas. Bon. Peut-être tout est Judy. Est-ce que le dernier épisode en entier se passe dans le monde de Judy? Ou est-ce que le monde de Judy... Enfin, bref. Nous, la bestiole qui apparaît à New York, etc., et qui bouffe les gars, dans les épisodes, dans la plupart des épisodes, on va l'appeler l'expérience. Oui. Parce que je ne me vois pas l'appeler Judy dès le début, même si on spoil et tout. Parce qu'on n'est même pas sûr que c'est Judy. Non. On sait juste que Mr. C est après quelque chose et que ça a les mêmes antennes que Judy, la carte. Tout à fait. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment nous, après avoir vu les épisodes 10 fois, qu'on commence à connecter les trucs et machin. Oui. Mais, Le générique, c'est l'expérience, c'est ça. Experience model. Dans l'épisode 8, il y a une personne qui est créditée. Ah, je sais pas. Oui, tout à fait. C'est experiment model ou je sais plus quoi, ou un truc comme ça. Enfin, c'est l'expérience. Et ça, je sais même pas ce que ça veut dire pour eux de dire ça. Enfin, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ouais, en plus, voilà, cette forme avec ses petites antennes et ses bras retournés comme Laura. Ouais. C'est vrai. My arm bends back. Ça, c'est le genre de truc que c'est au bout de la 15e fois que j'ai regardé l'épisode 8 que je fais mais attends, ses bras, ils sont retournés. Ouais. Genre, mon cerveau. C'est un peu comme quand on a découvert le bruit du clic, là. Oh là là. Que en fait, c'est le journal de Laura Palmer qui s'ouvre. Ouais. Tu me l'as envoyé et j'ai fait « mais non ». Et ensuite, j'ai re-regardé, j'ai fait « oh putain ». Ouais, si, c'est ça. Mais en même temps, c'est en rapport avec les pages manquantes, c'est en rapport avec Gary Page, c'est en rapport avec... Et est-ce que c'est l'idée derrière, finalement, que la page qui reste manquante du journal de Laura Palmer serait celle qui contiendrait l'information liée à Judy, qui a l'air d'être l'espèce de gros tabou qui murmurait à l'oreille de Cooper, peut-être aussi. Peut-être, oui. Ouais. On sait pas, on ne sait plus. Au bout d'un moment, en fait, saison 3, l'accumulation des énigmes devient, ça devient presque un poids, quoi. Enfin, c'est un côté genre, le monde est sur tes épaules, à ce moment-là. Et on termine jamais d'ouvrir des boîtes, et les boîtes, c'est d'autres boîtes. Ça se termine sur une non-résolution, puisqu'on ne sait pas si on a gagné ou perdu. Ça se termine sur un cri, on voit la lumière s'éteindre, et on se dit, est-ce que ça veut dire qu'elle a vaincu Judy, entre guillemets? Est-ce que ça veut dire que non, en fait, elle a détruit ce monde-là dans lequel il vivait, actuellement, le monde de Carrie Page? Elle a détruit ce monde-là pour retourner dans un autre monde, ou dans un autre timeline. Oui, c'est très ambigu, mais je crois que le plus important, c'est surtout que ça se termine par l'anamnèse de Laura. C'est genre, c'est la guerre, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que c'est la guerre, et que Judy est l'ennemi, et que Laura, en fait, on l'a su, le Fireman l'a choisi par rapport à ça, et donc en gros
mission de Cooper, si jamais il a eu une mission, c'était de trouver Judy et d'y amener Laura. En gros, c'est ça, quoi, de confronter. Et il pense, on va dire, il est perdu, il pense avoir échoué. Parce qu'il commence à perdre les signes, parce qu'il comprend pas très bien les chansons. Alors que normalement, c'est des noms qu'il a déjà entendus. Mais là, ça veut plus rien dire pour lui. C'est là qui est bizarre. Bah, Trémont et Chalfon. Oui, mais Cooper, il les a pas entendus. Mais si, bien sûr. Les deux. Donna. Non, quand Cooper. Ils sont allés voir la Madame Trémont et Donna lui, il est avec Donna pour voir. Il retourne la voir après. Ok, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et puis, dans le parking de caravane, quand il vient et qu'il est attiré par un endroit vide où il y avait entièrement une caravane. Non, il les voit pas, mais Karl Rode lui dit. C'était une caravane, il y avait des gens qui s'appelaient Chalfon à l'intérieur. C'est bizarre, il y en a eu deux. Ah, ça, c'est pas Cooper. Mais si, c'est pas Chet. Chet. C'est pas Desmond. Mais non, Chet, il y va. Il se fait attraper, il disparaît parce qu'il trouve la bague sous cette caravane. Et c'est là où va Cooper. Il va avec Karl Rode. En fait, Cooper revient pour chercher Chet. Mm-hmm. Et il le trouve pas. Il dit à Karl. Karl nous fait chier avec la caravane de l'adjoint du shérif. On n'en a rien à foutre. Il veut l'amener là-bas. Et Cooper dit, je ne vais pas là-bas. Il va à un autre endroit, tu sais. Il suit une espèce d'une intuition. Il va à un endroit qui est vide, qui est en fait là où a disparu Chet. J'avais oublié qu'il y avait d'autres scènes de Cooper, en fait. Pour moi, il y a la scène avec David Bowie. Bien sûr. En fait, après tout le reste... Oui, c'est, en fait, elle suit immédiatement. Okay, t'as trois scènes successives. T'as ça, la scène avec Chet, et puis une scène où il est devant la rivière où ils ont retrouvé le cadavre de Teresa Banks. Mm-hmm. Il fait une espèce de discours avec la musique de Twin Peaks, etc. Il dit, le tueur va tuer à nouveau, etc. Là, 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 là. Bref, pour faire le lien avec la scène. Pour faire le lien. Donc, on était sur... spoiler, Sarah Palmer est-elle déjà Judy ou pas? En tout cas, on a des éléments qui sont des éléments. C'est les premiers éléments qu'on trouve qui vont rentrer dans la mythologie de Judy. En tout cas, le cheval blanc, le premier élément. Et c'est les visions aussi. Les visions, la première vision de Sarah. Mais non, elle a déjà vu Bob. Elle me voit souvent. Bob. C'est pour ça que je dis Sarah. Oui. Elle est connectée au monde par ses visions, tout à fait, en fait. Tout à fait. Et contrairement aux autres, par exemple, Maddy a eu des visions. Laura avait des visions, Laura, mais ouais, elles sont mortes. Elles bien étaient sûr, damned. Ouais. Ouais. Alors que Sarah, elle est gifted. Mais en fait, c'est ce qu'on pensait en regardant la série, de se dire qu'en fait, elle a un don. Mm. Mais en fait, non. En fait, elle est cursed. Ouais, exactement. Elle est cursed par Judy. Exactement. Ouais. Voilà. Elle est vecteur. Elle est vaisseau. C'est un vaisseau. Mm. Mais jusqu'au bout, ce sera ambigu. Parce que si on regarde dans la saison 3, quand elle est dans l'épicerie, là, c'est comme si elle avait oublié qu'elle était Judy. Mm. Parce qu'elle est effrayée. Elle dit ça a changé. Elle est complètement obsédée par le fait qu'ils aient pas le même smoked meat là, qu'ils ont un autre smoked meat. C'est turc. Il y a des gens qui vont venir. Il y a des gens qui vont venir. Des hommes qui vont venir. Des hommes qui vont venir. Et en fait, c'est comme si elle basculait. Elle avait une vision du passé avec le convenience store, avec les hommes qui viennent, les mood men. Donc c'est, elle est dans une confusion temporelle totale. Oh mais carrément, elle regarde un match de boxe qui passe 15 secondes ouais, en loop. Oui, en loop. Quelqu'un qui est coincé. Coincé dans le temps. Toutes ces scènes sont... À part de l'histoire aussi, il n'y a que Hope qui vient la voir à un moment. Ouais, mais en dehors de ça, elle est vraiment à part dans l'histoire. Elle croise absolument personne. Ouais, Hope, c'est tout. Tout à fait. Hope, et c'est tout. C'est ouais, parce qu'elle ne va même pas à la Roadhouse, elle va dans un autre bar quand elle attaque le mec. Tout à fait. C'est vrai qu'on aurait pu au moins la mettre dans la Roadhouse ou un truc comme ça. Il aurait pu dire allez, on met Sarah dans la Roadhouse. On a mis Audrey dans la Roadhouse. On a mis James, on a mis son pote avec son gant. C'est pour l'isoler encore plus. C'est ouais, parce c'est qu'il ça, faut se dire que Sarah ne voit jamais personne. Mm. Et quand Hawk vient la visiter, c'est genre la visite qu'elle a eue dans le mois. Quoi. Mm. C'est-à-dire que. Et c'est un sentiment peut-être vraiment. De l'année, mais... Oui, peut-être de l'année. C'est un sentiment d'effroi. Elle va boire un coup un moment, mais elle bute un mec. Mais le truc, c'est qu'il faut s'imaginer aussi que Sarah, elle a été dans cet état-là pendant 25 ans. Mais en même temps, si on pense que c'est Judy, en espèce de truc mal passif, c'est elle, à travers toute seule dans cette maison, qui a rendu la ville de Twin Peaks si triste, pauvre, désolée, etc. Le truc, c'est vrai que la ville de Twin Peaks s'est passée d'un peu idyllique quand on approche et qu'on voit les personnages, qu'on mange la tarte, etc. Ouais. À The Return, où tu sens qu'il y a un truc de pourri. Pas de tarte, il n'y a pas de... C'est mort, quoi. Un truc que je voulais dire sur Sarah, c'est qu'on la nouvelle timeline
qui est expliqué dans le livre de Mark Frost, The Final Dossier, qui dit que donc quand Cooper est revenu dans le temps et a pris Laura, et que donc Laura a disparu, elle n'est pas morte, que donc dans cette nouvelle timeline, Laura a disparu et Leland s'est suicidé quelques semaines plus tard, et donc il y a une Sarah dans une timeline qui a perdu sa fille disparue, elle n'a jamais su pourquoi ni comment. Oui. Genre elle s'est évaporée de la terre entière, et son mari qui se suicide quelques mois après. Donc on peut se dire qu'il y a une timeline où il y a une Sarah qui est encore pire. Et c'est peut-être celle-là qu'on voit, parce qu'il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui croient que toutes les scènes de Sarah dans la série, c'est la Sarah de la deuxième timeline. En fait. Ah. Bon, alors ça, vous en parlerez avec mon copain, là, Bertrand Castérian. Ouais, c'est lui qui parle. Lui, il est obsédé par l'idée qu'il y a des éléments de la deuxième timeline. Moi, personnellement, je pense pas que Lynch et Frost se soient pris la tête avec ce genre de truc. Ils se prennent la tête avec d'autres trucs, je dis bien, hein, c'est pas la question. Mais ça semble d'être le genre de détail où je sais pas. Non. Je sais pas. J'arrive pas à être convaincu. C'est déjà assez compliqué. J'arrive pas à être convaincu par cette histoire de. Et Bertrand vous parlera aussi peut-être de ces trucs autour de la lune noire et de, parce que lui dans ses vidéos sur Twin Peaks, il est obsédé par le moment où les événements se passent, les dates spéciales, qu'est-ce qui se passe à un niveau. Mais ça c'est pas un domaine sur lequel je suis calé. Je suis sûr que Lynch et Frost ont merdé dans les dates. Oui, c'est comme ça que je l'explique. Oui, hein. Mais des trucs, c'est genre, non, ils ont juste merdé dans les dates. Il y a des fois où ils se sont dit, dans deux jours, ce sera le 7, et en fait, c'est le 8. Et... Ouais, c'est quand même un peu énorme. C'est-à-dire que le moment. Ils ont écrit ça sur Skype pendant 4 ans et demi. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Tu crois qu'il n'y a pas un moment où ils peuvent se rendre compte que dans 5 épisodes successifs, ils disent. On y va dans deux jours, on y va demain, on y va dans cinq c'est jours. Que les scènes ne sont pas dans l'ordre, c'est tout. Ouais. Mais les scènes ne sont pas dans l'ordre, oui. Ouais. Les scènes ne sont pas dans l'ordre. Alors après, on peut dire ils ont merdé, on peut dire volontairement, dans la série, on a une espèce de désordre des événements, de la façon dont ils se passent. C'est ce qui permet aussi, malgré tout, qu'on puisse accepter un truc aussi bizarre que Audrey, qui vit dans une espèce de petite capsule temporelle pendant 3 ou 4 épisodes, on voit que c'est la même soirée. Tandis que les autres personnages continuent à évoluer. Ah non, moi je sais que c'est mélangé en fait, tout simplement. Donc, en fait, le spectateur assez vite accepte l'idée que quand il voit V-Return, le temps il est en miettes, il est cassé. Et entre nous, c'est Mark Frost qui gère tout ça. Lynch, je le vois pas se prendre la tête avec les dates. Non. Mais Mark Frost, il est connu pour avoir écrit un livre qui s'appelle The Secret History of Twin Peaks, où il merde un paquet de fois sur pas mal de trucs. Tout le temps. Il te dit que la mère de Norma, c'est pas la même mère. Il y a une histoire de sœur, la sœur d'Annie, enfin les trucs avec Annie, ça n'a rien à voir. Dans les dates, il se gourre. Il explique que, par exemple, Bigel et Nadine, ils sont connus autrement. Il va vraiment te changer plein de trucs dans son bouquin. Et donc, moi, j'arrête de regarder en fait ce genre de petits détails. Oui, non, faut pas aller. Je me dis, c'est juste Frost et Lynch qui de temps en temps ils merdent. Et faut pas oublier que Frost, il écrit un scénar, Lynch, il va le confirmer le scénar. Et ensuite Lynch, quand il filme, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, ouais. Voilà. Il est plus attaché aux métaphores et aux thèmes, aux thèmes généraux et aussi à l'esthétique, plus que les dates. Enfin, c'est pas un comptable. Lynch, c'est pas du tout le genre. Enfin, il nous l'a pas prouvé jusqu'à présent dans son cinéma. Il l'a pas prouvé dans n'importe quoi, dans ses tableaux, dans tout ce que tu veux. Il a jamais prouvé, Lynch, qu'il était à fond sur les dates et ce genre de trucs. Par contre, Frost, je le vois bien être dans le genre de truc théorie du complot et machin et trucs. Enfin, visiblement. Émerdé. Ouais. Voilà. Donc, c'est la faute de Frost, tout ça. Qu'on embrasse. Salut, alors, mon petit Frosty. Moi, l'hypothèse que j'avais, mais c'est qu'une hypothèse parce que je suis pas dans leur vie, c'est qu'il y a eu un premier scénar qui faisait 9 épisodes. Enfin, ah oui, et ensuite il a demandé plus, Lynch. Et Lynch a demandé plus. Et en fait, le nombre de jours qui séparent les premières dates qu'on a de la fin, c'est 9. Donc ouais, en gros, à mon avis, ils avaient quand même fait vaguement un scénar qui ressemblait un peu au scénar qu'ils avaient fait avant, sur 9 jours. Ou un jour, un épisode. Et ensuite, ils l'ont éclaté. Quand ils l'ont éclaté, ils se sont dit fuck la chronologie, fuck tout ça. Il faut un espèce de truc de... Et puis Lynch, genre, moi je tourne dans le désordre, je tourne les durées que je veux, je fais machin, puis une fois au montage, je verrai qu'est-ce qui va où, etc. Et donc c'est un truc explosé, il s'est retrouvé au montage, et il a commencé à recomposer tel qu'il l'entendait, avec l'idée que de toute façon,
on est dans un univers où le temps il s'est explosé, le temps il s'est fragmenté, donc on n'arrive pas à recoller les morceaux correctement, et ça fait même partie, on va dire, de l'emprise émotionnelle que fait Twin Peaks sur son spectateur qui est là. Il dit, ça fait combien d'épisodes qu'ils disent qu'on y va demain, quand ils disent qu'ils vont au Jackrabbit, oui c'est ça, c'est le truc sur la date là, dans les six papiers qui chopent, c'est ça. C'est étiré. Je me rappelle, on faisait les podcasts épisode par épisode, et on était là genre, oh, on a une date, machin. Donc, ça veut dire, bon, bah, le prochain épisode. Et non. Que dalle. Prochain épisode, non. On te dit, prochain épisode, dit, l'endroit où on doit aller dans 5 jours. Non, c'est limite ça. Donc, c'est vraiment fou. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, enfin, comment dire, de toute façon, c'est un truc qui te rend dingue, mais qu'en plus, t'as des événements que tu peux même pas vraiment dater dedans. Tu sais pas où tu dois les placer dans le truc. Par exemple, t'as un truc qui est dans contradiction totale, c'est dans le récit de Las Vegas, quand tu as Cooper qui va passer la nuit à faire le con avec les frères Mitchum. Mm-hmm. Tu sais, ils sont partis là. Et on voit, ils ont commencé à manger, boire du champagne. T'as les jackpot là. Voilà, t'as les trois call girls qui sont avec eux. Et puis, l'épisode suivant, où tu vois à peine, tu le vois, tu as une séquence juste où il est dans le jardin avec son fils, enfin, avec le fils de Dougie, et qui, le fils de Dougie lance une balle. Cooper ne la rattrape pas parce qu'il est dans son espèce d'état de comateux. La seule scène de Cooper de cet épisode. La seule scène de Cooper de cet épisode qui dure une minute, même pas, qui est très drôle, mais qui est très simple. Se la prend dans la et l'épisode suivant, tu le revois en fin de soirée avec tous les autres qui déboulent. Alors, le matin. au boulot là, quand au boulot, et ils sont tous bourrés, ils ont fait la fête, etc. Et tu comprends que la scène que tu avais vue entre temps, elle se place pas là, mais tu peux même pas, tu sais même après, pas où après, tu veux la placer. Ça prouve vraiment que dans la saison 3 la chronologie est pas importante, que c'est pas non, c'est pas important, et en fait ça fait partie du style de la série. Exactement. Où t'es perdu en fait. Exactement. C'est ça, il veut perdre et le but c'est pas qu'on commence à remettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour la chronologie, en tout cas, parce qu'il y a d'autres choses où oui, mais là en l'occurrence, moi, à chaque fois que j'ai vu des théories sur les chronologies, en plus, je sais que sur Reddit et les fans, et tout, sur les sites... Il y a une fan edit de la saison où c'est genre par ordre chronologique. Ah, c'est vrai genre, oui, c'est genre, non, si vous ne regardez pas dans la bonne direction, les gars. C'est comme quand ils avaient sorti le parrain en série, et ils avaient ça commence avec le jeune Vito dans les... T'imagines, tu regardes le parrain, ça commence avec Vito quand il est jeune, et tu tapes... Ça va à l'inverse. C'est silencieux pendant 25 minutes. Voilà. Tu te retrouves avec. Enfin, t'es là, genre. Vous regardez pas dans la bonne direction. Ok, donc en fait, c'est un film sur l'immigration. Non, pas du tout. Oui, non, genre. D'accord. Je savais pas qu'ils avaient fait une edit où ils avaient fait la regarder. Dans l'ordre. On va bien se marrer. Au moins 2-3 épisodes, faut voir. Est-ce que ça commence, genre. Je suis sûr, c'est le bord. C'est encore plus le bord. Est-ce que ça commence avec l'explosion nucléaire? Je suis sûr, ça commence par ça. Putain, t'imagines. Enfin, atomique. T'imagines, ça commence avec l'explosion. Imagine Twin Peaks The Return aurait commencé avec la scène de l'explosion atomique. Je suis sûr, il y a plein de trucs, tu sais pas où les foutre. Mais bien sûr. Ne serait-ce que Cooper avec The Fireman qu'on a au tout début de la saison. Il a son petit badge là qu'il n'a pas dans les autres séries. Alors, oui, et puis il y a des théories sur ça se place à la fin, entre le moment où... Oh là là, c'est très compliqué. Juste avant que Laura lui parle à l'oreille. Oui, enfin des trucs, ça ne marche pas ces trucs-là. Mais en même temps, le problème de la Black Lock, c'est que c'est dans le temps, c'est perdu dans le temps. Bien sûr, c'est en dehors du temps. Cooper, lui, il a l'impression d'avoir passé 2 heures dans la Black Lodge. Quand il sort, quand il arrive à Twin Peaks, il a l'impression de parler au shérif et de faire le café est là, comme s'il venait de disparaître. Bien sûr. C'est pour ça qu'à la fin, il demande en quelle année on est, parce que c'est le seul moment où il se rend compte. Il y a 25 ans qui sont passés, peut-être aussi. Peut-être, ouais. Ah, aussi, ouais. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, on a l'impression qu'il a une espèce de connaissance totale. Au moment où il est dans le shérif office, il dit donnez-moi la clé du Great Northern, etc. Donc là, d'un coup, il a une espèce de maîtrise totale de tout. Il a une mission, mais je ne sais pas s'il se rend compte qu'il y a 25 ans qui sont passés. Le seul indice qu'il a, c'est qu'on lui dit dans I'll see you again in 25 years. Mais sinon, en dehors de ça, quand il sort, il est Dougie, donc il est complètement à l'ouest. Ouais. Ça prend un bon moment, il voilà. Peut pas savoir. Ensuite, il se réveille, il dit I am the FBI, il dit j'ai une mission, je dois aller à Twin Peaks, je dois faire ça parce qu'on me l'a dit. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'est pas au courant qu'il y a 25 ans qui sont passés pour moi. Ça se voit surtout quand il est au téléphone dans la voiture et qu'il dit que vous avez mis le café en route. Mais la fonction sur toute cette scène, c'est de te faire pour le shérif comprenne que le doppelganger n'est pas Cooper. Oui, aussi, bien sûr. Puisque lui, il n'a pas voulu de café. Et alors, on ne sait pas pourquoi, mais le frère Truman, enfin le frère de Harry,
sait qu'il y a un truc avec Cooper et le café. Parce que. Oui, ou alors. Il n'est pas supposé être au courant. Sûrement qu'Harry lui a dit. Ouais. Il a dû lui en parler. Ou en tout cas, Harry lui en a assez parlé pour qu'il reconnaisse plus la personnalité du Cooper oui, au téléphone que l'autre qui est genre. Oui, en plus, on lui a dit qu'il y avait deux Cooper. Oui, et puis c'est un empathe aussi. Lui ? Oui. Franck ? Oui, il a une forme d'empathie. Il a une sensibilité pour les trucs qu'il est. La scène avec Wally Brando qui. Oui, j'allais dire la même chose. Non, mais même quand Hawk lui raconte toutes ces choses bizarres, il les questionne pas du tout. Hawk lui dit il est allé dans un endroit bizarre, il est ressorti, c'est pas le même, etc. Franck, il est OK. Il est OK avec tout le surnaturel, il le questionne, il questionne même c'est pas. Ça fait peut-être des années aussi qu'il est à Twin Peaks, et donc il en a. Je pense que Harry a dû lui raconter des trucs. Ouais. Genre, une fois, je suis parti avec Cooper dans les bois, il a disparu, il est revenu avec le cadavre du mec, avec une femme. J'ai une petite info. Mm-hmm. Le cinéma Les Trois Luxembourg diffuse les deux premiers épisodes de Twin Peaks The Return gratuitement. Le 26 septembre, on y sera. Ouais, donc, on y sera. Si vous voulez gratuitement. Vous faire... Gratuitement. Parce qu'il faut que chacun... Je me demande si c'est pas en rapport avec le fait que c'est la télé. C'est de la télé. Non, je pense pas. Parce que c'était gratuit aux Champs-Élysées aussi. Ouais, bah ils sont sponsorisés par encore le même festival. Bon. Alors que le festival c'était en juin dernier, mais bon. Ouais. Bon, tant mieux, hein. Venez. Mystérieux. Paco. Oui. On peut te retrouver où? Plug. Le 14 octobre sort un livre que j'ai coécrit avec Sarah Atuel. Mm-hmm. Sarah Atuel qui a aussi écrit sur Twin Peaks. Mm-hmm. Qui serait potentiellement une bonne invitée pour votre podcast. Sarah, et c'est un Sarah. Livre qu'on a écrit sur la série The Leftovers. Ah. Et donc c'est un livre sur The Leftovers qui s'appelle Le troisième côté du miroir, mm-hmm. et qui sort aux éditions Playtime Society, qui est un éditeur de cinéma et mm-hmm. de séries télévisées. Donc, et ce livre sort le 14 octobre et on fera un lancement de ce livre au Mont-en-l'Air. Oh. Le Mont-en-l'Air étant la librairie où je fais les lancements de mes livres à chaque fois. Incroyable cette librairie. Qui est la librairie de rue de la Mare. C'est pour les Parisiens, hein, et qui est à Ménilmontant de rue de la Mare. Et donc voilà, rendez-vous le 14 octobre pour la sortie de ce livre, Le troisième côté du miroir sur The Leftovers. Ok, sur Twitter, c'est pacomtiel, si je ne me trompe pas. Absolument. Ok, et il y a pacomtielement.com aussi. Pour... Alors, ce site qui n'est pas fait par moi, mais qui est fait par un homme qui s'appelle Pierre. Pierre Trémon. Non, ce n'est pas Pierre Trémon, mais sur Facebook, il est sous le nom de Pierre Poutrel. Que je fais, qui est en bonne intelligence avec moi. Et donc, normalement, je lui donne des textes régulièrement aussi pour ce site. Mais voilà, je n'ai aucun crédit à prendre sur ce site qui est entièrement la création de Pierre. Nous, de notre côté, on a toujours notre Instagram, hein, si vous voulez nous rejoindre. On poste des points art, Dorian, des petits ciné-clubs avec les films qui ont inspiré Lynch, etc. Et surtout des vidéos assez drôles de Lynch. À peu près une fois par jour, on poste une vidéo drôle de Lynch, donc faut pas hésiter. Et aussi, on a créé une playlist YouTube qui s'appelle Lynch Painting, où on met toutes nos vidéos préférées de Lynch. Donc tout ce qui nous a inspiré pour le... Il y a un paquet de trucs. Toutes les petites interviews, toutes les petites phrases, les courts-métrages, c'est un truc comme ça. C'est un peu le Lynch Painting Rabbit Hole, si vous voulez vous perdre. Cherchez Lynch Painting et c'est la playlist. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Lynch Painting, sur Facebook, Lynch Painting... Et vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur iTunes parce que ça fait toujours plaisir à la famille. Voilà, voilà. Ciao.
is.